Bonsoir à tous et à tous, bienvenue donc pour ce dernier rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Comme vient de, euh, de l'évoquer euh, Michel Cabaret, c'est toujours un plaisir personnellement de, euh, de savoir que Maët elle ne sera pas là et de vous retrouver. Euh, mais je sais que pour elle, c'est aussi un, un, un moment qu'elle affectionne et, euh, et c'est vrai qu'elle est toujours très déçue de ne pas être là. Mais on est très heureux que vous vous soyez, comme à l'accoutumée, euh, présent pour ce rendez-vous. Alors ce soir, on va euh, se plonger dans le monde fascinant des volcans avec un expert en la matière, euh, Arnaud Guérin. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Vous allez bien Ça va très bien. Quand Alors, je reviens à l'espace des sciences, ça va toujours bien. Nous sommes très heureux que vous soyez là parce que bien évidemment, l'actualité de ces derniers jours, de la semaine dernière, euh, aurait pu nous faire trembler, tout comme euh, l'ETNA qui a, semble-t-il, décidé de, de faire des siennes. On s'est demandé si vous alliez... Euh Choisir euh, votre passion ou la, la joie de nous retrouver euh, Alors en fait j'étais sur d'autres volcans. Ah ben voilà, <laughs> j'étais sur d'autres volcans, j'étais au Cap Vert euh, il y a encore deux jours bon. euh, pour, euh, pour tourner les deux, les deux premiers numéros de la saison 2 de la série documentaire qu'on fait pour Arte, qui s'appelle « Des volcans et des hommes mmh. ». que vous avez, Certains d'entre vous ont peut-être vu euh, qui est passé il y a maintenant deux mois. Et qui, euh, qui a été rediffusé très récemment, je et crois. Et qui repasse ouais, euh, de manière régulière. Bah et vous pouvez ouais. voir aussi, je, je crois, sur YouTube. Euh, et donc, on a fait une première saison qui est une saison de 20 documentaires. Donc, 20 documentaires, 20, 20 volcans, mmh. 20 histoires d'hommes qui vivent au pied des volcans, puisque le principe de cette série documentaire, c'est bien sûr une série sur les volcans, mais comme son nom l'indique, sur la relation qui existe entre les volcans et les hommes. Donc moi, en tant que scientifique, moi, je suis géologue de formation, j'ai travaillé sur la gestion des risques volcaniques aux États-Unis comme spécialité, et je vais à la rencontre des gens qui vivent au pied des volcans, puisque moi, ça fait plus de 20 ans que je voyage sur les volcans et ce qui nous a semblé intéressant dans cette série c'est justement de mettre l'accent sur la, la relation qui est une relation qui vous allez voir est extrêmement étroite qui existe entre euh, ces gens qui euh, vivent au pied de ces montagnes qui ne sont pas au sens géologique euh, qui sont des énormes tas de cailloux et qui sont euh, ces endroits où euh, bat le cœur de vivant de notre planète alors, avant de, de, de vous entendre plus en avant sur sur cet ouvrage, sur votre, votre travail, euh, je vous rappelle, vous l'avez dit. Donc, vous êtes euh, effectivement géologue, mais vous n'êtes pas que ça. Vous avez euh, sur la tête une, une casquette, de nombreuses casquettes, hein, puisque vous êtes aussi photographe, vous êtes auteur. Vous venez de, de, le, de le dire euh, en filigrane avec cette série de documentaires que vous avez tourné pour Arte. Euh, vous êtes aussi auteur. Cet ouvrage, donc, euh, qui est le dernier ouvrage paru. Euh, chez Glénat, conjointement avec Arte Édition. Mm -hmm. Vous me disiez, c'est le 32e ouvrage que vous signez, c'est ça euh, Oui, c'est le 32e. Enfin, c'est le 31e. Il y a un 32e qui est sorti depuis. Ah oui, c'est ça. Celui-ci sur... est à peine est... sorti des euh... presses. qu'on en a déjà toujours un autre qui est pratiquement sous presse, qui à sortir. L'autre, c'est sur le département de la Manche. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez aussi, euh, vous êtes titulaire d'un DESS en environnement. Euh, c'est euh, une part importante de votre travail parce que, euh, effectivement, cet environnement qui est au cœur de notre discussion en ce moment euh, est sans doute aussi une des parts importantes de ce qui vous pousse à toujours aller de l'avant, voyager, partager et nous enseigner sur notre monde. Mais en fait, quand on est la géologie a ceci d'intéressant, c'est que quand on, on on fait de la géologie on va aux origines euh, on a la chance ici dans le massif armoricain de pouvoir aller toucher des roches qui ont 2 milliards 100 millions d'années quasiment la moitié de l'histoire de la terre au-delà de cette valeur scientifique, ça permet de pouvoir aborder les choses d'une manière totalement différente. Et les sciences de l'environnement sont des sciences qui sont en train de révolutionner le monde des sciences naturelles aujourd'hui. Ça permet de répondre aux grandes questions qui sont posées par notre société, par ses errements et par ses égarements. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, à l'université, on faisait souvent des études de, de manière verticale. Euh, et euh, les sciences de l'environnement, ben, c'est des sciences qui sont des sciences horizontales. Euh, et pour moi, qui aime raconter des histoires, c'est une chance absolument extraordinaire. Je suis arrivé juste au bon moment. Euh, vraiment, l'université m'a appris ça, c'est-à-dire de pouvoir développer cette curiosité pour aller découvrir ce qui est le fonctionnement de notre planète. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la démarche scientifique factuelle qui permet d'apporter des informations, qui permet de construire ces histoires. Et en fait, là, on va parler ce soir de volcans, mais c'est avant tout de la planète dont on va parler, avec des éléments qu'il faut avoir à disposition, j'allais dire, quand on réfléchit sur notre planète, parce qu'on a l'impression de vivre sur une planète qui est absolument gigantesque et où on a vraiment beaucoup de place. En fait, on vit sur une toute petite planète. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place et il y a un auteur absolument phénoménal et extraordinaire euh, français qui s'appelle Jules Verne, euh, qui a imaginé euh, en 1864, je crois, euh, ou je ne sais jamais si 64 ou 41, euh, mais je crois que c'est 64. Euh, il a imaginé le voyage au centre de la Terre et souvent je commence mes conférences en demandant aux gens euh, est-ce que vous connaissez la distance qui nous rejoint, qui nous permet d'aller au centre de la Terre Je ne sais pas si euh, dans la salle. Je peux, vous, je peux me permettre de vous poser la question, mais en général, ça fait beaucoup de débats. On entend beaucoup de choses avec des variations d'échelle de, qui, sont, qui sont très importantes. La réponse est 6370 km. Et que si vous avez une, un véhicule, vous regarderez ce soir, sauf si vous êtes en rodage, mais autrement, vous avez fait beaucoup, beaucoup de fois cette distance de 6370 km qui nous sépare du centre de la Terre et qui montre simplement, c'est qu'on vit sur une toute petite planète, qui est une planète vivante, absolument extraordinaire. Et que nous faisons partie de cette, cet écosystème incroyable. Euh, et les volcans, on va voir ce soir de la lave sortir. On va voir euh, ces phénomènes. C'est simplement le recyclage de ce qui existe déjà. Mais on est juste nous locataires de nos atomes. Euh, après, on les redépose et ça va servir à faire autre chose. Et pour moi, qui suis géologue, c'est vraiment, vraiment ça. C'est cette curiosité que j'ai vis-à-vis de, de la planète et bien sûr. Que ça sensibilise de manière extrêmement, extrêmement forte. Et j'ai la chance de continuer à donner des cours à l'université sur, sur justement ces questions qui sont des questions de pas, de, qui posent pas la question de l'avenir de notre planète, mais qui posent la plus, simplement la question de vivre sur ce petit caillou absolument extraordinaire dont on méconnaît encore plein, 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 plein de choses. On est vraiment dans les balbutiements. En tout cas, pour les sciences de la terre, c'est le début. Hein. Je vous rappellerai que la tectonique des plaques, c'est 1974. Donc, euh, avec tout le respect que je peux avoir pour euh, plein de gens qui sont dans la salle, vous avez certainement appris avant euh, la tectonique des plaques et qu'en et qu en fait, on découvre, on découvre des choses tous les jours. Et vous posez la question de l'actualité sur euh, l'éruption de l'Etna. Eh bien, mes copains volcanologues. Là, on va commencer notre voyage tout à l'heure sur l'Etna avec Boris Benke, là, qui est le responsable des volcanologues euh, sur place. Ben, euh, J'ai échangé par mail avec lui la semaine dernière. Je lui dis ce qui va se passer, quelque chose, et il me dit euh, peut-être. Donc, on est toujours dans cette incertitude, qui est cette incertitude. On sait qu'il va se passer quelque chose. Et il y avait. Des gens qui ont, qui, ont, qui ont joué un rôle très important dans la culture scientifique en France sur les volcans, qui s'appelait Maurice krafft kraft Et Maurice Kraft avait une, une phrase qui était tout à fait symbolique. Il avait le sens de la formule. Il disait :« Les volcans, c'est un bâton de dynamite dont on sait que la mèche est allumée, mais on ne connaît oui. pas la longueur de la mèche. » Il fait partie de ceux et celles qui, qui, euh, qui vous ont largement, euh, si ce n'est inspiré, donné envie de, de suivre la route. On rappelle que je crois Maurice est, est parti en 91 euh, Alors, au Japon. Oui, ouais, je vais vous montrer des images. Euh, je suis allé euh, il y a un an et demi pour le tournage de, sur le Mount Zen. C'était mm -hmm. un endroit où j'étais déjà allé. Ils ont disparu en 1991 euh, à cet endroit-là. Et là, j'ai eu la chance. On a eu les autorisations euh, par les autorités japonaises de pouvoir aller sur place. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Euh, on a la chance en France d'avoir une culture scientifique extraordinaire sur les volcans grâce à, à trois personnes, Arun Taziev et Maurice et Katia Kraft. Euh, alors pour les jeunes générations, ça paraît très lointain. Pour moi, quand j'étais étudiant, quand j'avais du mal pour passer mes partiels, je me mettais une cassette VHS de Maurice Kraft. Cassette VHS, c'est quoi ça ouais, déjà Un truc, <laughs> quoi, un espèce de manche-disque <laughs> vidéo. là. Euh, C'était le must de l'époque. Bien sûr. Euh, c'est là qu'on s'aperçoit que euh, bref ouais. euh, et, on et, porte des lunettes parce que euh, voilà. Euh, voilà et, et, <laughs> les et vous verrez que ça, ça a à voir avec les volcans aussi mais peu ouais. importe euh, et en fait je regardais, je regardais les images qui ramenaient euh, et d'un seul coup euh, cette, euh, ça me faisait renaître ce feu, euh, cette curiosité euh, qui est une curiosité euh, simplement pour la planète sur laquelle on vit et qui à mon sens euh, la géologie euh, même si c'est enseigné de manière extrêmement chiante, de manière absolument détestable, bien souvent, parce qu'on ne va pas sur le terrain. À partir du moment où on va sur le terrain, et quand il y a des gens qui savent vous raconter des histoires comme ça, et c'est vraiment, je le dis, dans un lieu qui est un lieu de culture scientifique, qui donne la passion aux gens, ça change tout. Et les sciences, on a une grande crise de vocation des sciences. En particulier les sciences de la Terre, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et d'absolument fondamental pour comprendre la société dans laquelle on vit et les problématiques environnementales dans lesquelles on vit. Et vous allez voir que les gens qui vivent au pied des volcans, ils ont plein de solutions à nous apporter. Et il faut dire qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui vivent directement sous la menace de volcans. Donc ça fait beaucoup. Hein. 300 millions directement, euh, c'est-à-dire euh, presque dans la gueule du loup. Euh, 800 millions euh, si on écarte un petit peu le cercle. Et puis vous vous rappelez que. Euh, en 2010, il y a eu une éruption d'un volcan que je connais bien, qui s'appelle Eyjafjallajökull. Il n'y a que les scientifiques et les volcanologues pour pouvoir prononcer ce nom-là, en fait. Ouais, c'est parce que je vais. Très Mais quand souvent... on comprend pas, on sait que c'est celui-ci auquel on fait référence. Ça, Alors, en sûr. fait, pour le prononcer, c'est une histoire. Encore une fois, c'est une, une histoire de culture, ouais. parce que Eyjafjallajökull, euh, les Islandais parlent une langue qu'on connaît tous, qui s'appelle le norrois, mm -hmm. qu'on a intégré en français par à, tra à travers tout le vocabulaire pour décrire le littoral, par exemple l'estran. Euh, le nom Dieppe ou le port du Havre, c'est simplement du nord norrois traduit en français intégré. Euh, et l'EIA, fiatla c'est Eyar, c'est comme Chosé, Guernesey, Jersey. À la fin, ça veut dire les îles. Donc Eyar, Fiatla, ça veut dire la montagne et yukutl, le glacier, le glacier de la montagne des îles. Alors tout... c'est juste quand on, les, quand on les prend un par un ça marche, c'est quand il faut les mettre bout de bout que ça devient tout bah, de euh, suite beaucoup plus compliqué. Eyar, Eyar, fiatla, fiatla, yokutle. D'accord, le dernier, je le maîtrise moins, mais si pour vous c'est entré, c'est le principal. <laughs> et, et vous apercevez qu'avec ce, avec ce volcan, qui a un nom imprononçable, euh, tout le monde s'est mis à en parler parce que ça a révélé simplement la vulnérabilité de nos sociétés vis-à-vis -vis du volcanisme. On s'est aperçu que ben, d'un seul coup, un volcan qui est situé pas très loin de chez nous, hein, c'est deux heures et demie d'avion l'Islande, et on s'est aperçu que ça avait des conséquences directes pour notre société. Et vous verrez la prochaine grande éruption en Islande, qui se fera sur euh, soit un volcan qui se prononce correctement, soit un volcan qui est très difficile à se prononcer. Il prononcer. Euh, y en a un qui s'appelle Orefatiokutl. Euh... C'est le plus dur, rassurez-nous. Oui, ça, c'est le, le point culminant de l'Islande. Ouais. Et il menace d'une grosse éruption. Il y a un autre volcan qui s'appelle Katla, là, c'est plus facile. Ça nous arrangerait, ouais. Euh, et... Les journalistes, ça nous arrangerait. Et il y a des journalistes scientifiques. The économistes qui ont travaillé avec les volcanologues et qui euh, ont fait une étude, des études qui disent que s'il y a une éruption de ce type de volcan, une très grosse éruption explosive, comme ils en ont fait dans le passé, c'est plusieurs mois sans avion dans l'Atlantique Nord. Donc vous imaginez les conséquences économiques pour nos sociétés si vous avez des actions Air France, il euh, faut les vendre tout de suite. Euh... Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré toutes les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont on est incapable, c'est de dire... Ça va se passer. Oui, et puis vous avez remarqué qu'on est tout, tout, tout typiquement occidentaux dans la façon dont on discute des volcans, parce que là on parle que de risques et, ouais. et, et, et de problématiques qui sont liées à ça. Donc on est extrêmement pessimiste parce que c'est notre façon d'être, surtout les Français. On Alors qu'il y en totalement... a 800 millions qui en parlent d'une manière différente. Vous allez totalement voir ce positive, soir la hein. façon dont je vais, je vais vous parler de la façon dont les gens appréhendent les volcans. Ouais. Et c'est une relation qui est une relation fondamentale à la nature, c'est en cela que c'est vraiment intéressant. Euh, en fait, ils ne vont parler de, volcan, de volcanisme que comme quelque chose qui donne. Et qui, euh, j'aime bien, bien utiliser ce terme, qui exauce. C'est un exauceur de goût pour la vie. C'est-à-dire. Un, un bras risqué quand même, l'exauceur. Hein. Eh ben, vous verrez que les, les volcans, ça tue pas beaucoup. Hein. Ouais. 300 000 personnes depuis le 18e siècle. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Vous prenez une simple épidémie de la grippe espagnole ou choses comme ça ça a tué des millions de personnes. Si vous prenez un tremblement de terre ou un tsunami, ça tue des centaines de milliers de personnes. Les volcans, ça tue relativement peu, parce que les volcans ça prévient à l'avance, d'accord Et bien souvent, les gens ont développé, alors ils n'ont pas fait d'études scientifiques, mais ils ont développé des choses totalement empiriques. Ils savent décrypter leur nature comme personne. Ils vivent dans un environnement qui est un environnement vivant. Et le pire qui peut nous arriver, c'est ce qui nous arrive dans nos sociétés, c'est quand on est coupé des connaissances qu'on a de notre environnement. Là, on fait les pires bêtises. On le sait, hein, dans nos sociétés, il suffit de regarder ce qu'on est pendant nos champs tous les jours, et ce qu'on a dans nos assiettes à chaque fois. Euh, et quand on est connecté avec son environnement, ben, on sait en tirer la meilleure partie. Et vous verrez que les volcans, ça, ça, ça permet de donner une vie qui est absolument extraordinaire aux gens. Alors, bien sûr, il y a des moments ben le volcan, il reprend. Mais c'est juste un équilibre. J'étais avec les gens du Fogo au Cap-Vert euh, il y a trois jours. Et je leur disais C'est quoi le volcan pour vous Et ils me faisaient le geste, ils me faisaient en me disant le volcan c'est la protection. Je dis vous pouvez m'expliquer. Leur maison a été détruite il y a 4 ans par, une coulée, par les coulées de lave. Et ils sont en train de reconstruire. Ils me disent oui mais pour nous c'est très important parce que en fait ça a mis à zéro notre vie. Et en fait on reconstruit, c'est une renaissance. Et, et ça permet de souder notre société. Et euh, ici on vit bien mieux qu'ailleurs parce qu'on peut cultiver la vigne alors qu'en bas ils ne peuvent pas cultiver la vigne. On peut cultiver les pois parce que... Euh, le volcan va donner des matériaux volcaniques euh, et que le volcan c'est un relief et il va y avoir de la pluie alors qu'en bas c'est sec et bien sûr il y a des moments, ben, le volcan il reprend et puis vous allez voir qu'il y a des moments ben, quand on ne sait pas expliquer, ben, on crée quoi des histoires pour raconter ça euh, c'est les religions euh, et vous allez voir que dans, certaines, dans certains lieux ben, on a des cultes qui sont des cultes extrêmement prégnants et très importants même dans nos cultures occidentales vous allez voir à l'Etna en Sans commençant Santa Gata, par exemple, ouais. euh, qui est simplement l'expression de notre échelle par rapport à un truc qui nous dépasse complètement, parce que les volcans, c'est un truc subjugant qui vous dépasse complètement par l'échelle d'énergie que c'est capable de, de développer. Il faut dire que c'est un truc qui change votre vie. Hein. Allez voir un volcan en éruption, vous voyez euh, l'enfantement euh, de l'activité de notre planète, là, sous vos yeux, euh, que vous ayez fait des études scientifiques ou pas des études scientifiques, ça vous dresse les poils parce que vous avez juste une émotion qui est absolument extraordinaire. Est... Arnaud, c'est encore le cas pour vous aujourd'hui. Ah ouais, c'est génial. Toujours. Ah bah, si c'est autrement, je ferai autre chose. Ouais, non, mais peut-être que le poil pourrait se hérisser de manière un peu moins proéminente, avec un peu moins d'émotion. Vous avez toujours cette étincelle hein, au fond du cœur des yeux qui, euh, voilà, qui, qui, qui est là, même après toutes ces années. Ah, de... savez... Combien... Je crois que vous avez fait ouais, 11 pays, 20 volcans actifs que vous avez euh, oui, euh, visités oui. pour la série, ne serait-ce que ça. Et toujours ce même étonnement ben oui parce que, parce que la planète est d'une beauté absolument sublime euh, on habite le plus beau pays du monde c'est le titre d'un documentaire mais c'est vrai il suffit de regarder tout ce que vous avez autour de vous. Euh, on habite sur une planète qui est fantastique les volcans c'est un truc dans, dans l'échelle de ce qui existe sur la nature les, des phénomènes naturels qui existent Je pense que les volcans c'est vraiment le top du top parce que, parce que vous avez cette activité euh, mais le, juste les volcans pour les volcans c'est pas intéressant Enfin, pour moi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la relation qui existe avec avec ceux qui vont vous guider et nous quand on arrive pour la première fois sur les volcans. Moi, quand j'accompagne des voyages, parce que j'aime transmettre aussi ma passion et mon métier aussi comme ça. La première chose que et quand je vais travailler sur des volcans, la première chose que je rencontre, c'est quelqu'un du cru, un guide local, un volcanologue local, et on va commencer à parler de lui. Alors lui, en général, c'est celui qu'on va aller voir. Il va comment aujourd'hui Il est comment Il a fait quoi aujourd'hui donc, en fait, on a une relation qui est une relation à une planète vivante qui est exactement ce qu'est notre planète, c'est-à-dire une planète tellurique avec ces plaques qui bougent les unes par rapport aux autres et on est sur une espèce de grand jeu de puzzle qui, nous, nous intéresse en tant que géologue. et je vous rappellerai que dans votre environnement quotidien, autour d'ici, vous avez tous les éléments qui permettent de reconstituer notre histoire de la Terre. Il suffit juste de le regarder. La géologie, c'est fondamental et c'est absolument génial pour ça, c'est que en fait, ça transforme les cailloux dans des volumes de bouquins. Euh, c'est totalement interactif, ça se comprend ça se... et ça, ça titille juste la curiosité. Donc, quand vous allez sur un volcan, j'étais euh, au Fogo la semaine dernière, je jamais mis les pieds là-bas. Ben, en fait, tout vous fait envie du regard. Alors, en... moi, j'ai traduit ça aussi euh, parce que pour échanger, je fais de la photographie parce que pour moi, c'est la porte d'entrée. Euh, ça vous permet d'échanger et d'être là ce soir et de pouvoir euh, discuter avec vous. Euh, mais voilà, c'est un des plus beaux métiers du monde. Et, et en tout cas, c'est des moments qui sont des moments toujours extraordinaires parce que la nature est extraordinaire. On en fait partie. L'homme en faisant partie. Ouais, ça c'est clair. Il faut absolument arrêter de penser qu'on est, qu est excentré de la nature. On en fait juste partie. Et, et, et vraiment, sur les volcans, on a vraiment l'impression de faire partie de cette nature, mais à une échelle qui est une échelle même pas lilliputienne. On est vraiment à l'échelle atomique. Quoi. Ça vous dépasse tellement. C'est un truc qui est totalement subjugant. En bah. tout cas, si vous n'êtes jamais allé sur les volcans, euh, il faut, faut commencer. Il faut aller euh, dans la région de Paimpol, aller voir les lavant coussins, et puis. Euh Bon, je crois qu'il faut qu'on commence notre voyage. Mais on pourrait passer encore plus de temps à, à, à discuter ensemble, mais on peut aussi vous écouter tout seul, nous raconter ces histoires de ces hommes que vous avez rencontrés au pied des volcans. Et puis, la super bonne nouvelle, c'est un peu la même tous les mardis soirs, mais c'est qu'à l'issue de la conférence d'Arnaud Guérin, on aura un temps d'échange ensemble. Un temps d'échange aussi que pourront suivre nos internautes, puisque, vous le savez, ces mardis de l'espace des sciences sont aussi sur YouTube. Sur la chaîne de l'Espace des Sciences, avec peut-être une ou deux questions, tiens, si elles apparaissent, qu'on pourra euh, relayer sur ce plateau. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Merci infiniment d'ores et déjà pour ce temps que vous nous consacrez ce soir. Merci d'applaudir Arnaud Guérin le temps qu'il s'installe. On se retrouve juste après. Très bonne conférence à vous. Alors ce soir, je vais vous emmener dans un, dans un voyage qui est un petit peu l'histoire. Vous avez peut-être vu cette série documentaire sur Arte, là, 20 documentaires, donc 20, 20 destinations dans le monde. Euh, et euh, moi, j'ai la chance d'avoir écrit ces documentaires et de les incarner. C'est-à-dire que c'est moi que vous voyez à l'écran et je vais à la rencontre des gens qui, qui vivent sur ces, sur ces volcans. Mais à côté de ça, une fois que je suis plus devant la caméra, je prends ma passion première, c'est-à-dire je prends mon appareil photo et je saisis des moments et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Donc, je peux vous emmener jusqu'à 3h du matin. Je vous ai amené plein d'images. On s'arrêtera quand on s'arrêtera. Et à ce moment-là, on se donnera rendez-vous l'année prochaine pour continuer le voyage. Euh, voilà, juste, on, on, on va partir sur, euh, sur une première destination qui est une destination très proche, qui est une très destination, euh, Sylvie, vous le disiez, d'actualité, qui est l'Etna. Euh, en Sicilien, on l'appelle Mont Monte Gibello. C'est Monte en italien et Djebel en arabe. C'est simplement la nature des lieux, c'est cette terre d'échange absolument extraordinaire qui s'appelle la Sicile, 3 350 mètres d'altitude. Vous regardez, vous êtes à Catane là, vous avez le volcan qui vous domine complètement. Quand on est à Catane, on est déjà sur le volcan. Et moi d'habitude, j'ai l'habitude de le voir comme ça, c'est-à-dire que je vais, on est en haute altitude, avec, regardez, ça c'est l'activité normale. Et puis il y a des moments quand il crache un petit peu, vous avez vu, la neige elle devient toute grise, tout simplement parce qu'il y a des scories qui tombent et ça répond bien à la définition de ce qu'est un volcan, c'est-à-dire un tas de cailloux qui se construit par le haut, c'est-à-dire par projection successive, et ça va construire des strates successives. Ça s'appelle un stratovolcan, et c'est comme ça que grandissent les volcans. Alors, ils arrivent à un problème qui est un problème de taille, c'est que quand ils grandissent de trop, à un moment, ils vont se casser la figure comme tous les tas de sable. Ça, ça pose des problématiques qu'on pourra aborder sur d'autres volcans. Alors, moi, j'ai l'habitude d'aller très souvent à l'Etna, je suis allé une quarantaine de fois. Souvent en descendant les cratères, comme ça, on est à l'intérieur. Là, c'était un jour de novembre avec de l'actualité, de l'activité. Là, on est dans les cratères centraux. Il y a quatre cratères à l'Etna. Le cratère central avec Bocanova et Voragin, c'est là où je suis. là. Et puis à côté, il y a le nord-est qui est le point culminant, et puis le sud-est dans mon dos. Ça, c'est l'actualité. Ce jour-là, il, euh, il y avait un beau petit bouchon de lave qui se formait dans le fond et puis des explosions sporadiques. Ça, c'est le bouchon. Alors là, vous avez une relation directe avec le magma qui remonte, parce que si vous regardez dans les coins, là, vous voyez que c'est rouge. Hein euh, et qu'est-ce qui se passe ben, Le magma il remonte vers la surface. Quand il remonte vers la surface, il est sous pression. Le magma, c'est de la lave plus des gaz. Quand ça remonte vers la surface, baisse de pression. Donc, les bulles se forment, elles deviennent coalescentes, et puis d'un seul coup, elles arrivent à la surface et elles explosent. Ça va projeter des éléments en l'air. Voilà, ça part à des vitesses qui peuvent être des vitesses supersoniques. Il faut mieux pas être sur la trajectoire. Et c'est l'activité normale de ce volcan. Regardez ce cratère, ce trou béant. Ça, c'est un mois et demi après. Il n'y a plus de trou béant. Il est complètement plein. Il y a eu une éruption entre les deux. Ça a rempli ce trou qui faisait 500 mètres de profondeur. Et ça, c'est vraiment l'activité de ce volcan, qui est un des volcans les plus actifs au monde. Et quand on va tourner au mois de février, là on commence à voir un petit cratère qui se forme là sur ce, ce, ce sud-est. Alors je suis avec Boris Benke, qui est le chef des volcanologues dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait des mesures de température parce que ça permet de révéler ce qui se passe un petit peu en profondeur. Et on voit qu'il y a des projections, ça, ça s'appelle des bombes volcaniques. Donc quand vous voyez ça sortir, bah, c'est du magma tout frais, ça va retomber, et puis ça va retomber dans de la neige, alors en général ça va s'enfoncer. Jusqu'à temps que ça rencontre de la roche, et puis au fur et à mesure des explosions, ça va construire un petit édifice qui s'appelle un cône volcanique. Donc on est vraiment, ça crée une nouvelle géographie. Vous pouvez aller tous les ans à l'Etna, vous aurez jamais la même géographie. Les bombes tombent sur la pente, et nous on va aller ramasser les bombes juste à côté, on va les mettre de l'eau dessus pour montrer ça, parce qu'avec la télé ça permet de pouvoir montrer les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là j'ai devant moi la plus jeune roche de la planète, jusqu'à temps qu'il y ait la prochaine explosion et qu'il y a un nouveau lambeau de magma qui sort. Alors l'Etna, c'est un lieu absolument sublime. On est au-dessus de la mer de nuages. Là, c'est la Montagnola euh, C'est vraiment un des endroits, si vous n'êtes jamais allé, si vous avez une destination à faire, c'est vraiment, il faut aller à l'Etna. Mais ce qui va nous intéresser, pourquoi on est allé à l'Etna au mois de février, c'est qu'au début février, il y a tous les ans un des plus grands pèlerinages au monde, le, plus, un des plus, le deuxième plus grand pèlerinage chrétien en Europe, qui s'appelle la fête de Santa Agatha. Là, je suis au sommet d'une église de, de Catane, et puis je vois les explosions euh, avec ce, donc cette cette ville de Naples est une ville qui est euh, qui a été détruite par les tremblements de terre au XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe, et ça a été entièrement reconstruit avec de la lave et avec du marbre. Donc on a cette cette dichotomie euh, architecturale, et on a euh, ce A qui est présent partout. Le A, c'est Agatha. Alors euh, c'est toujours une histoire euh, une histoire de, de martyr. Agatha était une, fille, une jeune fille de bonne famille au début du christianisme et le proconsul romain était tombé amoureux d'elle, sauf qu'elle avait donné sa vie à Dieu et qu'elle a, a toujours résisté aux avances du proconsul qui avait des manières de proconsul, c'est-à-dire qu'il voulait absolument qu'elle devienne sa femme et elle a toujours refusé et donc il l'a mis en prison et il l'a suppliciée. D'une manière peu élégante, puisqu'il lui a arraché les seins. Vous imaginez les tortures. C'est représenté, regardez, on a tout ça sur les reliquaires qui se baladent dans les rues de Catane. De euh, et euh, cette pauvre Agathe est morte dans les geôles de ce proconsul. Euh, simplement, le jour de sa mort, il y a eu un tremblement de terre. Et puis, euh, un an à la date anniversaire, il y a eu une éruption volcanique et là, on a sorti le voile de Santa Agatha et le voile de Santa Agatha a arrêté la coulée de lave. Relation entre la croyance locale et euh, l'activité du volcan. Il faut dire que quand on est à Catane, on est sur les coulées de lave. 1669, les coulées de lave descendent directement dans la ville depuis. On est toujours dans cette relation, c'est-à-dire que Santa Agatha est devenue la sainte protectrice de la ville. Si vous allez à Naples, c'est Saint-Janvier, avec la liquéfaction du sang, des ampoules de sang de Saint-Janvier, qui doit se faire trois fois par an, à date fixe. Alors là, le processus physique, il faudrait faire une expo à l'espace des sciences, hein. mais euh, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a à Catane, on a un million de personnes qui sont dans les rues pour rendre hommage à Santa Agatha. Et là, vous avez euh, la congrégation des, euh, des bouchers qui va porter ce qu'on appelle les candélores, c'est-à-dire des espèces de, de lampadaires qui font 8-9 mètres de haut, qui pèsent 900 kg. Et en signe de dévotion, ils vont ouvrir, ouvrir la procession. Avec à chaque fois les scènes de la vie de Santa Gata. Qui, euh, et on va remonter la grande artère de Catane, qui s'appelle la Via Etnea. Ça ne s'invente pas et qui remonte directement vers le volcan, de nuit, vous voyez les explosions. Là, on a un lien qui est un lien direct. Alors, c'est extrêmement spectaculaire. On a cette espèce de ferveur religieuse complètement incroyable. Et alors, cette ferveur religieuse, elle va s'exprimer à travers euh, les costumes. Regardez, ils sont, on a l'impression de les voir en costume de nuit. Ben oui, quand les reliques de Santa Gata sont revenues euh, euh, à Catane, eh bien, elles sont revenues de nuit, et euh, les gens sont sortis dans les rues. En robe de chambre et depuis, tous les catanais lors de la Santa Gata sont habillés exactement comme ça. On va tirer le reliquaire, qui est un reliquaire qui pèse plusieurs tonnes, avec des cordes sacrées qui font 200 mètres de long. On les touche avec des gants blancs. Regardez ces gens qui vont qui vont tirer ce reliquaire. Le reliquaire arrive et on va sortir les reliques de la sainte. Alors c'est vous voyez qu'on est au 21e siècle. Si j'avais fait l'image les, les il y a 30 ans, on aurait, eu quelque chose de, on aurait eu des petits mouchoirs blancs qui étaient utilisés de manière traditionnelle. Maintenant, vous avez vu qu'on a des appareils photos qui sortent. Et on a ce reliquaire. Et cette, la sainte va sortir pour une nuit complète et rentrer uniquement le lendemain matin. Alors regardez ce, ce, ce regard aussi de, de, ce, de, cette, de ce reliquaire et vous avez, euh, alors c'est une tâche qui est une tâche très demandée de la part des catanais, c'est de pouvoir tirer le début de la corde, ces cordes font 250 mètres de long et on va tirer, il y a toujours ce, ce rapport à l'effort qu'il faut faire pour satisfaire euh, la, la croyance et là vous avez un million de personnes dans les rues pour se protéger de quoi se protéger des colères du volcan. 1669, c'est la grande éruption, c'est la grande catastrophe. Tout le monde en parle encore quand on est à Catane. C'est l'éruption qui a failli détruire la ville, euh, qui a agrandi le littoral. La, mer, la lave est rentrée dans la mer de plus de deux kilomètres. Et euh, les, la procession à Santa Gata n'a pas pu euh, protéger les Catanais. Mais un curé local a inventé le premier détournement de coulée de lave de l'histoire de la volcanologie. C'est-à-dire qu'il est remonté au point d'émission de la lave, ils ont creusé une brèche avec des pics protégés par des pots de moutons mouillés et ils ont dévié la coulée de lave. Le gros problème, c'est que bien sûr la coulée de lave est partie chez le voisin, c'est-à-dire les gens du village d'à côté, qui s'appellent Paterno. Il y a eu une émeute, Là, la coulée de lave s'est figée et ça continue à détruire la, coulée de... la... 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 la ville de Catane. Alors, vous savez que dans les années 80, Arun Taziev a fait exactement la même chose, non pas avec des pots de bêtes, mais avec des moyens de l'armée américaine, en faisant dynamitant le bord d'une coulée de lave. Qu'est-ce qui s'est passé C'est parti chez le voisin. Et depuis, il y a jurisprudence. Il est interdit en Italie de détourner les coulées de lave, puisqu'on ne contrarie pas la nature. Vous imaginez les contraintes en termes d'assurance ça, c'est vraiment la relation. Alors, à la fin de la, de la procession, euh, eh bien, on porte euh, les pénitents portent des cierges qui font jusqu'à 250 kilos. Plus vous avez fait une faute grave, plus vous portez un cierge lourd, hein, ce qui est logique. Euh, là, je peux vous dire que vous avez vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge. Et on crie Santa Agatha. Et en fait, c'est on crie pour se protéger de ce qui donne la vie. Parce que si vous allez à l'Etna. Vous allez voir, si vous connaissez la Sicile, la Sicile, c'est une terre de sécheresse, c'est une terre calcaire, et puis d'un seul coup, vous avez cet îlot volcanique en plein milieu, qui est très récent, 550 000 ans l'Etna, hein. c'est vraiment pas grand-chose, et il s'est construit sur, construit sur des, des collines argileuses qui faisaient 200-300 mètres d'altitude, et depuis, le volcan a accru jusqu'à... 3500 mètres d'altitude, il s'est effondré une première fois, et puis ça a donné la morphologie actuelle. et... Bien sûr, il y a des neiges éternelles au sommet. L'eau va percoler dans le volcan et va ressortir à 200 mètres d'altitude. Et là, ça nourrit euh, y compris les Pouilles, puisqu'il y a des tuyaux qui passent euh, jusqu'en Italie pour nourrir euh, localement euh, les gens, enfin en tout cas alimenter les gens en eau. Et puis si vous montez sur l'Etna, vous allez avoir l'étagement de la végétation avec euh, les oranges, d'abord les, les citronniers, les orangers, et puis ensuite euh, la vigne, et puis ensuite les noisetiers, les châtaigniers. Et en fait, vous avez cet étagement de la végétation. et il y a tout, on, Les Siciliens disent qu'il y a toujours quelque chose à accueillir sur l'Etna. À l'automne, il y a les champignons. Et c'est un endroit où il fait extrêmement bon vivre. Alors, bien sûr, vous pouvez tout perdre. Mais le jeu en, enfin, le, le jeu en vaut la chandelle. Alors, euh, quand Santa Gata rentre le lendemain matin, tout le monde est exténué. Les sœurs du Carmel sortent pour la seule fois de l'année euh, pour regarder la, la sainte passer. Et puis, on va changer de destination. Vous allez voir que cette relation à la nature, elle existe dans plein d'autres destinations qui sont des destinations aussi beaucoup plus éloignées que là. Là, on est en Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Aotearoa, Ça veut dire la terre au long nuage blanc. Les Maoris qui sont arrivés là sont des Polynésiens. Ils viennent de Polynésie et les îles polynésiennes sont issues de l'histoire d'un point chaud. Donc, c'est des gens qui viennent d'un environnement volcanique et qui vont se retrouver dans un bon environnement volcanique. Et ce nom signifie simplement cette terre fumante. Regardez, là, on est sur les hautes terres du Tongariro, petit matin. Alors, quand on est Maori, vous allez voir qu'on met son arbre généalogique sur le visage. C'est le moko, qui est une, tradu une tradu traduction de la nature. Essentiellement, les dessins sont initiés par les formes des fougères et on vit dans un environnement qui est un environnement fumant. Là on est à Warakawara Wera Wera. Je sais jamais combien de faut dire Wera. C'est toujours compliqué à dire. On est dans un village Maori et je vais rencontrer la chef du village qui s'appelle Namani. Et vous voyez que Namani euh, donc les hommes ont le droit d'être tatoués complètement du visage, les femmes uniquement sur le bord des lèvres et sur le et en fait vous avez vous représentez votre arbre généalogique d'un côté de votre famille et de l'autre côté sur votre visage. Donc c'est ce qu'on ce qu présente. Namani, elle vit, elle vit là depuis, euh, sa famille vit là depuis euh, une éruption qui a eu lieu au, au 19e siècle, juste à côté, qui s'appelait l'éruption du volcan Tarawera. Et en fait, on s'aperçoit que dans les histoires qu'elle raconte, alors euh, au cou, elle a un tiki qui est le premier homme qui est arrivé sur cette, sur cette terre, le grand voyageur, le premier qui est arrivé sur cette terre de Nouvelle-Zélande. Euh, donc elle a un lien à la nature qui est, qui est extrêmement fort. Il faut dire que, vous voyez, juste à côté, vous avez des geysers. Ça, c'est une des caractéristiques du volcanisme, euh, volcanisme néo-zélandais. Euh, ces geysers, alors là, c'est le Prince of Wales, PUO. Et regardez, juste à côté, on a... Volcanique avec un volcan extrêmement actif. Là, il menace d'éruption en ce moment, qui s'appelle le Rapéou. On est à 2500, 2300 mètres d'altitude et vous avez un lac d'acide. Vous avez vu cette couleur. Et ce lac d'acide, il menace de débordement à chaque grande éruption. Ça, c'est un énorme problème. Ça va générer ce qu'on appelle des coulées de boue. En volcanologie, on appelle ça des lares. Et là, on va aller avec les volcanologues. Euh, sur, euh, sur le bord de ce cratère alors vous imaginez bien, c'est un travail de routine les volcanologues à travers le monde ils font un boulot qui est un boulot qui équivaut au travail d'un médecin vis-à-vis d'un malade la première des choses que vous faites quand vous allez chez le médecin c'est qu'on va vous demander vos antécédents familiaux ça c'est le travail de base du volcanologue c'est d'étudier les couches volcaniques pour savoir ce que le volcan a fait comme type d'activité et puis ensuite on va prendre les constantes votre pouls, euh, votre tension artérielle, etc... Donc ça, c'est exactement ce qu'on va aller faire avec les mesures sismiques, les déformations du volcan, avec des GPS, des extensiomètres, etc. Et puis on va pouvoir les mesurer, les températures des gaz, températures de l'eau, et dans les lacs d'acide, euh, il faut aller faire des prélèvements. Alors ça, ça ne se fait pas facilement. Hein. Donc on est obligé d'y aller avec le pilote d'hélico local. Donc c'est le monsieur là. Je peux vous dire que quand il a débarqué, il était en botte. Alors, je pense, on pensait que c'était vraiment le paysan du coin. Euh, je peux... Là, il conduit sa machine comme, euh, comme une 4L. Hein, c'est euh, parfait pour aller dans cet endroit-là. Sauf que vous arrivez sur le bord d'un lac d'acide, pH du lac, 0. Okay. Et il va falloir aller faire des prélèvements dans ce lac à pH 0. On, est, on se pose juste à l'endroit qui est le plus plat, c'est-à-dire le, l'endroit où c'est l'émissaire. C'est-à-dire que s'il y a un débordement, vous avez un, un glacier de l'autre côté, si un bout de glace tombe dedans, vous êtes emporté. Donc on doit rester le, plus, enfin le moins de temps possible dans ce, dans ce lieu-là. Donc l'hélico, euh, la turbine fonctionne toujours. On fait nos, on fait nos prélèvements. C'est un lieu qui est totalement infernal. Là, à l'espace des sciences, il faudrait la prochaine fois qu'on fait une conférence, il faudrait qu'on mette les, les odeurs qui vont avec. Je peux vous dire que là, il y aurait plus grand monde dans la salle parce que ça sent franchement les œufs pourris. Et vous voyez euh, ces espèces de de surnageant de soufre en fait vous avez du soufre qui, se forme, qui sort sous forme liquide dans le fond du lac et qui va, qui va cristalliser directement c'est une eau qui est une eau infernale et là ma collègue volcanologue locale qui est une française qui est partie bosser là-bas elle me dit Agnès ben, on va faire les prélèvements et je lui dis il me faut des gants elle me dit non non c'est bon tu peux y aller PH0 vous pouvez aller faire des prélèvements et euh, ça bouffe pas les mains. Moi je pensais, hein. mais j'ai que j'étais peut-être pas très bon en chimie. Il y a peut-être des chimistes dans la salle. Non, elle m'expliquait, elle, elle, est géochimiste, elle m'expliquait d'une manière très directe que si ça avait été une base, là j'aurais eu un moignon en ressortant. Mais pour les acides, n'est pas le cas. Il faut bien se laver les mains après, ça attaque quand même. Hein. Ça attaque bien. Euh, et donc on fait des mesures, ils font des mesures géochimiques sur ces, sur cette eau. Vous apercevez que ça mange la roche aussi. Hein. Et euh, quand ça mange la roche comme ça, qu'est-ce qui va rester Il va rester des argiles. Et les argiles vont étancher le fond du lac. C'est comme ça que se créent les lacs volcaniques. Hein. Alors ça a donné, euh, le débordement de ces lacs a donné en 1953, le 24 décembre, une catastrophe absolument incroyable. C'est que le lac a débordé. Ça a donné une énorme vague qui est descendue dans la, dans la rivière. Et la ligne de chemin de fer, l'express entre Wellington et, euh, et Auckland passait juste là. C'était le jour du réveillon de Noël et il y a eu 53 morts qui, sont, qui ont été emportés. C'est là vraiment la plus grande catastrophe volcanique de Nouvelle-Zélande. Donc on fait nos mesures de pH, de température. Vous voyez, c'est ce soufre. Alors ça sort sous forme de bulles. Hein. Vous voyez, ça fait des petites, des petites bulles comme ça. C'est très friable. Ça fait une espèce de pop-corn qui remonte à la surface. Et vous avez la roche qui est littéralement mangée. Vous voyez les, diff les différents niveaux du lac. On voit bien les niveaux de battance du lac. Hein, c'est très là. Euh, je peux vous dire qu'il y a des moments le masque à gaz est, est, est bien pour protéger vos, vos voies respiratoires. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est absolument sublime au matin. On va aller sur un autre volcan qui s'appelle White Island. White Island, c'est une espèce de rognon volcanique, un très gros volcan, il y a 2000 mètres sous la mer. Et il y en a 500 mètres en surface. Et ce volcan a la caractéristique d'avoir un lac d'acide. Là, on se pose en hélicoptère. C'est un des endroits les plus acides de la planète. C'est sublimement beau. Hein. C'est infernal. En tout cas, je peux vous dire que ça, ça, si vous avez une petite sinusite, après, c'est peinard. Hein. Euh, aucun problème. Vous n'avez plus de, plus de sinusite pendant tout l'hiver. La température là, dans le fond de ce petit cratère, c'est 380 degrés. Donc ça, ça, ça bouge. Et vous voyez que ça souffle de partout. C'est totalement infernal. Les argiles prennent des couleurs complètement dingues avec les éléments chimiques qui à l'intérieur. Et là, le lac était complètement exondé quand on a tourné, avec une température de 780 degrés sur cette bouche, qui était dans le fond du lac, on a fait les mesures. Alors maintenant, le problème pour les volcanologues, c'est pouvoir aller travailler. Et maintenant. Greg, là, qui étudie le, le, le White Island, il va avec un drone équipé de capteurs, ce qui permet, alors, c'est une véritable révolution technologique pour les, pour les volcanologues. Ça, c'est l'état du lac tel qu'on a tourné. Ça, c'est l'état du lac deux ans avant. Ça, c'est l'état du lac deux ans et demi avant. Il a été complètement, euh, complètement euh, hors d'eau. Et vous voyez, dans le fond, on avait des sublimés de soufre. Partout, c'est absolument. Et entre les deux, il y a une petite éruption. En fait, le lac, l'eau s'accumule uniquement quand la température est suffisamment faible pour pouvoir s'accumuler. Autrement, il y a une évaporation qui est une évaporation directe. Comme cette eau elle est surchargée en éléments chimiques, eh bien, ces éléments chimiques vont cristalliser dans, toute la... dans tout le fond du lac. Bon, je ne sais pas si vous connaissez des paysages comme ça sur la planète, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup. Euh, c'est vraiment un moment qu'il faut saisir parce que euh, ça s'en va extrêmement rapidement. On change de destination. La destination la plus délirante de notre voyage, de nos 20 voyages sur les, sur les volcans dans le monde, ça s'appelle l'Auvergne. C'est un endroit absolument sublime pour faire de la volcanologie et apprendre les volcans. Il n'y a pas mieux sur la planète. En plus, c'est maintenant au patrimoine mondial. Regardez au petit matin, c'est quand même sublime. Euh, bon, il y a juste le petit train à crémaillère pour monter au, au sommet du puy dôme Il vaut mieux prendre un bon sac à dos et une paire de chaussures. Et regardez, ça c'est le Sancy. On a l'impression d'être en Patagonie. Hein. Alors, quand on, on a fait de la montgolfière là, avec Pierre Boivin, là, le, le directeur du labo de volcanologie de, de Clermont, et regardez ces morphologies qui sont toutes fraîches. Alors, le problème, c'est qu'on les entretient tellement, c'est que la végétation pousse dessus et, et qu'on est en train de perdre ces morphologies parce que la végétation pousse. Ah, pour nous, géologues, la biologie, c'est vraiment un emmerdement. Non, excusez, c'est un vieux un vieux ressentiment. Ce n'est absolument pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que ça pose un énorme problème pour le classement et pour le maintien de ces morphologies, pour que ça raconte quelque chose. Parce que s'il y a des arbres partout, on s'apercevait qu'avant, il y avait un usage agricole qui était beaucoup plus développé. Nous, on va s'intéresser à un lac qui s'appelle le lac Pavin, dernière trace d'activité des volcans d'Auvergne, 6700 ans, avec le puits qui est juste derrière, qui s'appelle le puits de Montchal. Et là, on a eu la chance de travailler avec les volcanologues sur place et avec les spéléos, qui sont des gens absolument incroyables. Parce que, alors là, s'il y a des gens curieux sur la planète, c'est quand même des spéléos qui vont quand même dans des endroits totalement fous. Et il y a un endroit totalement fou à explorer dans les volcans d'Auvergne, ça s'appelle le Creux Souci. Donc, il faut s'équiper avec un baudrier, un casque, et vous allez descendre comme une araignée, là, 35 mètres en rappel, pour descendre au fond d'une cavité qui est une cavité unique au monde, ça fait 65 mètres de diamètre, c'est une espèce d'ampoule de lave, en fait on ne sait pas comment ça s'est formé, aucun, les volcanologues ont des hypothèses, mais on ne sait pas comment ça s'est formé, c'est la dernière coulée de lave des volcans d'Auvergne, 6700 ans, et ça recouvre les couches qui racontent les, ce qui s'est passé avant. Alors là, pour les volcanologues, c'est super intéressant, parce que vous vous rappelez le carnet de santé du malade, pour étudier ce qui s'est passé, là on a... Tout ça fossilisé. Donc il faut donner un peu de soi pour descendre en rappel. Et surtout, à l'intérieur de cette cavité, on a un lac. Température de l'eau constante. Super. 2 degrés. Moins bien. Pour aller se baigner. Et surtout qu'il va falloir descendre pour aller explorer ça. Et que l'exploration aujourd'hui s'est arrêtée à 42 mètres. Ce n'est pas la fin du gouffre. C'est simplement la fin de là où les spéléos peuvent descendre. On ne sait pas d'où vient cette eau. Il y a peu d'écoulement dans la, dans, la, dans la cavité. Euh, cette eau, elle vient directement. Il y a la nappe phréatique la température ne serait pas constante comme ça. Euh, les éléments chimiques euh, montrent qu'il y a peut-être euh, une relation. On pensait qu'il y avait peut-être une relation avec le lac Pavin, qui est un lac très particulier qui est juste à côté. Mais non, la signature géochimique n'est pas la même. Donc ça reste une énigme. Donc euh, là, on ne sait pas. Et ça fait partie. Euh, des grands trucs qui titillent l'esprit des scientifiques et font redescendre dans ces cavités pour essayer de comprendre le phénomène. Dans le fond, il y a des volcanologues là, qui sont en train d'étudier la stabilité de la chose parce qu'on descend par un trou qui est un trou naturel. Vous avez vu, là où on arrive en bas, c'est ce qui s'est cassé la figure du plafond. Comme on dit chez moi dans le pays d'Auge, la pomme tombe du pommier. Mais en Spédo, le caillou tombe de la voûte. Donc, euh, et on étudie la stabilité de cette, de cette cavité pour savoir comment elle va évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, elle va s'effondrer. Euh, il faut prendre les informations avant. Donc on fait des études géochimiques aussi sur les sources qui existent là. À l'intérieur, il y a aussi des bébêtes qui sont extrêmement intéressantes, extrémophiles, etc. Euh, et on s'aperçoit que ben, en fait, les couches qui sont en dessous sont l'histoire des volcans juste avant la dernière éruption des volcans d'Auvergne, 6700 ans. Et ça, c'est extrêmement important pour savoir s'il peut y avoir une nouvelle éruption dans les volcans d'Auvergne. Je vous rappellerai que dans l'histoire des volcans d'Auvergne, il y a eu des phases où il n'y a eu pas eu d'activité dans les volcans pendant plus de 15 000 ans. Donc là, ça fait 6 700 ans, donc il y a du potentiel. Bon, il faut qu'il se dépêche pour que Giscard puisse encore voir. Une, une, une prochaine éruption, mais autrement, il y a juste suffisamment de temps pour qu'il y ait une nouvelle éruption dans les volcans d'Auvergne. Et là, il y a quelques, quelques mois, enfin un, deux ans, il y a des jeunes scientifiques là de l'université de Clermont qui ont donné, ont apporté des preuves comme quoi il y avait une ressource magmatique en dessous qui était suffisante et nécessaire pour pouvoir donner à nouveau de l'activité. Je vous rappellerai que je n'ai pas mis les images là, mais si vous allez à Clermont-Ferrand, la place de Jaude. Qui est le centre de Clermont-Ferrand, c'est un mar, un cratère d'explosion, le contact entre le magma et l'eau. Les hommes se sont installés dans des endroits qui sont des endroits qui sont pré-mâchés par la géologie. C'était facile de s'installer dans cet endroit-là. L'hôpital est placé là, et si vous descendez sous l'hôpital, on l'a fait, sous l'hôtel Dieu, eh bien on traverse les couches de ce mar jusqu'à aller en dessous de l'édifice volcanique. Donc ça, ça prouve simplement que on ne fait qu'exploiter nos environnements. Alors ça, c'était les géochimistes de Pierre et Marie Curie là, qui travaillaient là. Et puis, on avait notre plongeur spéléo. Il faut être quand même courageux en 2 degrés pour descendre là. Alors déjà, la spéléo, quand même, ça demande quand même un engagement. Mais alors la plongée spéléo, c'est quand même quelque chose. Et là, Olivier, il est descendu à 40 mètres ce jour-là. Alors, cette cavité, elle pose aussi un problème, c'est que c'est une mofette. Une mofette, c'est une cavité qui dégazent naturellement du CO2. Donc, avant, on met des capteurs pour savoir. Le CO2, c'est incolore, inodore, mais c'est une très bonne façon de mourir très, très lentement sans s'en apercevoir. Si on passe plus de 20 de CO2 dans une cavité, et donc ça, c'est issu de deux choses soit l'activité biologique, la décomposition de la matière organique qui peut dégazer, mais surtout l'activité volcanique. Et on s'aperçoit que dans le lac à côté, dans le lac Pavin, on a des dégazages qui sont des dégazages qui sont importants. On change de pays. Derrière, vous connaissez le volcan. Sylvie euh, sait parfaitement le prononcer. C'est le grand truc blanc qui a derrière. Il s'appelle Fiatla Donc Eyar, ça veut dire les îles. Et des îles, il y en a juste devant. Elle s'appelle Vestmaneyar. Donc ça veut dire EY, ça veut dire une île. Eyar, ça veut dire des îles ou un archipel. Et Vestmaneyar, l'archipel des hommes de l'Ouest, qui étaient des esclaves d'Irlandais. De, des esclaves des, des Scandinaves quand ils sont arrivés en, en Islande, c'était des Irlandais ou des Écossais. En tout cas, on va aller dans un endroit euh, qui est cette île qui s'appelle Etlidae. Et cette île d'Etlidae, en 1973, dans cet archipel, il y a eu, vous vous rappelez certainement des images, une éruption phénoménale qui est apparue dans le village. Maurice et Katia Kraft y étaient. C'est l'éruption d'Emae. Et cette éruption d'Emae va mettre des scories. Partout sur les îles, il va recouvrir toutes ces îles de, de scorie. Depuis, eh bien, il y a 40, 50, 60 cm de ces scories. Mais sur ces scories, il y a une herbe qui pousse bien mieux qu'ailleurs. Et les Islandais, qui ne sont pas des gens de mer, contrairement à ce qu'on pense, mais qui sont des paysans, eh bien, ils vont mettre les moutons sur ces îles. qui sont d'anciens volcans sous-marins. Alors, vraiment des volcans sous-marins. Vous voyez cette forme. Là, il y a une maison parce que c'est les chasseurs de macareux. Vous savez, ces, ces petits alcidés. Euh, qu'on chasse traditionnellement en Islande. Les îles Westman sont la plus grande colonie de la planète, 4 millions d'oiseaux. Il y a un gros problème avec le changement climatique, mais je ne me lance pas sur les oiseaux, c'est ma deuxième passion. Euh, et, et là, le problème, c'est qu'il va falloir mettre les moutons sur l'île. Ça s'appelle la transhumance. Vous avez certainement des images de la transhumance chez nous. Ce n'est pas exactement ça. Le mouton islandais a plutôt une belle tronche. Regardez, avec une laine extrêmement longue, il faut dire que l'hiver islandais est rigoureux, ça donne une laine qui est très étanche, ça donne des très beaux pulls. Godnir est un éleveur et il va nous emmener mettre ses moutons. Sa femme lui a fait un beau pull. Il est passionné par les moutons, ça se voit. Il y a toute la famille qui est là, on va rassembler les moutons et on va les emmener sur l'île d'à côté. Donc, il faut rassembler les moutons. Ensuite, on le met dans la bétaillère et puis ensuite, on va les mettre sur un bateau. Et puis ensuite, on prend la mer pour aller sur cette île. Une heure et demie de bateau avec les moutons à l'intérieur. Les moutons n'ont plutôt pas trop le mal de mer. Et il va falloir monter ces falaises avec ces moutons. Donc il essaie d'aborder un endroit qui est un peu plus calme, mais ça ne marche pas parce que la mer est plutôt mauvaise. Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser la technique traditionnelle, c'est-à-dire le treuil avec les caisses à poissons. Donc le principe, c'est que vous mettez les moutons dans les caisses à poissons et vous faites maintenant téléphone portable, vous appelez en haut et les mecs mettent le treuil en route et vous montez les 120 mètres de la falaise. Donc les moutons vont monter dans l'ascenseur. Donc regardez, on va mettre les moutons à l'intérieur. Donc ça c'est la mer. Il faut choper l'agneau qui va avec qui va avec sa maman. On met le filet de pêche par-dessus parce que autrement, ils ont une légère tendance à sauter de la caisse. On recouvre tout ça, on met le sac à dos pour en... hop et hop, c'est parti dans la falaise. On met le mouton et avec la technologie moderne, vous avez vu qu'il fait sans les mains et il parle directement au mec qui est au treuil en haut, les moutons font leur, euh, font leur montée. Regardez la caisse, c'est haut. Hein vous avez vu la caisse là Elle est juste là-haut. Donc euh, c'est donc vraiment important. Et on monte là-haut. 40 moutons à faire dans la journée. Je peux vous dire que si vous n'avez pas eu le mal de mer, c'est que vous êtes extrêmement chanceux. Bon, moi j'étais chanceux dans l'histoire. Et après, il vous dit ben super, maintenant c'est à nous de monter. Avec son humour islandais, il vous dit dans la caisse, non merci. Et là, il vous dit, ben moi je mets le bateau à fond, marche avant sur la falaise, vous sautez, vous attrapez la corde et hop, vous montez. Parce qu'il faut aller voir cette belle herbe. Donc, vous voyez, vous montez directement à la falaise et vous dites, je vais faire comment pour redescendre. On arrive en haut et quelques endroits un peu vertigineux. Et on arrive dans ce paysage et alors là, vous avez l'herbe la plus fantastique de la planète. Alors là, si vous faites de la permaculture, c'est exactement ce qu'il faut. C'est un sol totalement aéré. Vous regardez là-dedans, il y a des kilos de lombriques au coup de pioche. C'est magique. L'herbe fait ça d'épaisseur. Et je peux vous dire que j'aimerais être mouton là. Bon, la vie ne dure pas très longtemps. Parce qu'on finit dans le plat national qui s'appelle Angikyotl, qui veut dire la viande pendue. C'est un gigot désossé qu'on fume au crottin, avec le crottin de mouton, parce qu'on n'a pas d'arbre en Islande. C'est très fumé, c'est extraordinaire. Manger avec des petites patates à Noël, c'est. En tout cas, c'est un des plus beaux endroits à vivre. On est sur un volcan qui était actif euh, il y a quelques milliers d'années. Et regardez, euh, bon, tout le monde a des moutons. Vous avez vu. Euh, Andres, mon guide, euh, mon pote guide, là, il a ça sur son bonnet. Ça, c'était l'île des Maes euh, avant l'éruption de 1973. Vous avez vu euh, le port avec euh, un ancien volcan qui s'appelle là la montagne des dieux. Et puis, euh, le paysage aujourd'hui, bah, devant, vous avez un volcan qui est apparu, qui s'appelle l'Elfetl, la montagne de feu, qui est apparue en 1973. Et donc, quand on débarque, c'est ce volcan, il domine la ville. Là, il y avait la piscine qui est maintenant sous, euh, sous la lave. 400 maisons sont sous la lave. Et on va aller rencontrer euh, cette femme qui... Euh, le 23 janvier 1973, habité à 150 mètres de la fracture qui s'est ouverte. Alors les Islandais sont extrêmement pragmatiques. Elle dit, ça s'est mis à trembler. Et puis, ça s'est arrêté. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu, en Islande, on a du mal à faire pousser de l'herbe. Donc, ils mettent des rouleaux de gazon, et j'ai vu les rouleaux de gazon qui se mettaient à sauter partout. Elle me dit, c'était terrible. Et aujourd'hui... Sa maison a été sous les scories, 15 mètres de scories, et aujourd'hui, on a dégagé sa maison pour construire un mémorial. Et pour la première fois, pour le reportage pour Arte, nous sommes rentrés avec elle dans cette maison. Alors moi, j'avais vu les images de Maurice et Katia Kraft, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je faisais mes études. C'est un truc qui me boostait complètement pour aller me confronter au magma et pour aller me confronter aux explosions. Et là, en fait, j'ai découvert l'envers du décor, c'est-à-dire l'histoire de cette femme qui était là et a vécu ça, et à partir du moment où je suis rentré dans cette maison, elle n'était plus du tout avec moi, alors qu'on se connaissait d'avant. Hein. Moi je suis allé 65 fois en Islande, je connais très bien les gens là-bas dans les, dans les îles Westman, et on se connaissait d'avant, et on rentre dans cette maison, et là d'un seul coup on retrouve tout, c'est-à-dire qu'on arrive dans la cuisine, tout est en place, les filtres à café, le jean de son mari qui était capitaine d'un grand bateau de pêche, Là, elle me raconte, ben, ça c'est euh, ma cousine qui m'a offert ça pour notre cadeau de mariage. Et puis, euh, la salle de bain. Et là, on rentre dans la chambre. Alors, vous regarderez sur le dans le documentaire, mais ça a été un moment qui a été un moment que j'oublierai jamais parce que je suis rentré avec cette, cette femme dans, le, dans cette pièce. Il y avait un tas de scories. Puis d'un seul coup, elle s'est mise à gratter. Et puis, elle a commencé à sortir une layette. Et puis, euh, une autre layette. Et puis automatiquement, elle se mettait à plier les vêtements comme si elle était le 23 janvier 1973. Elle n'était plus avec moi. Elle était, déjà, elle était complètement dans ce qu'elle a vécu à l'époque. Et je peux vous dire que j'ai compris d'un seul coup ce que c'est la dimension humaine dans une éruption volcanique. Parce que moi, en tant que scientifique, j'allais juste pour voir le truc qui me passionne. Mais là, d'un seul coup, j'avais l'émotion de ce qui s'est passé et de ce qui se passe pour les gens qui vivent ça. Et je peux vous dire que c'était pas obligatoirement évident pour soutenir le regard. On change de paysage. On va dans des, en dans des endroits les plus exceptionnels au monde. C'est une des plus grandes concentrations de la planète en termes de volcans, ça s'appelle l'Indonésie, avec un volcan qui s'appelle le Bromo. C'est un petit royaume hindouiste. Les, gens, les hindouistes se sont réfugiés là quand les musulmans sont arrivés, c'est les conséquences de l'histoire en altitude 2300-2400 mètres d'altitude. Et ils vivent là. Alors là aussi, on peut parler de permaculture. On fait une rotation des... On fait quatre récoltes par an, voire cinq, alors qu'on est en altitude. C'est exceptionnel. Les champs sont... Vous regardez, les femmes récoltent et ramènent à la maison. La terre est vraiment exceptionnelle. C'est une terre légère, faite de cendres volcaniques les cendres volcaniques les enfants jouent avec là ils sont en train de jouer dans le cimetière local ils projettent les cendres volcaniques qui arrivent à chaque explosion euh, du voisin alors euh, bien sûr il y a des moments où on est obligé de se protéger quand on circule mais là a lieu un des plus grands rassemblements religieux de la planète qui s'appelle la fête du Quesodo puisque pour les Tangueri le volcan leur donne tellement tous les ans qu'à un moment euh, eh bien il faut remercier ce volcan alors ça c'est issu des histoires qui quand les premiers hindouis sont arrivés là ils sont mis sous la protection de les, les rois le roi local s'est mis sous la protection du volcan et pour remercier ce volcan eh bien le volcan a, a capté le 13e fils de ce de ce roi et de la reine et depuis ce fils a été jeté dans le cratère en offrande et a demandé à ce que chaque année des offrandes soient jetées dans le cratère pour remercier ce volcan, et c'est ce qui est fait à travers une procession qui est une procession complètement incroyable, qui a lieu tous les ans. Le premier élément de cette procession, c'est de partir avec les grands prêtres. Ça, c'est Caddy. Je peux vous dire qu'au départ, euh, il en impose hein. euh, ce visage un peu fermé qui va vous emmener euh, gravir un des volcans de de la caldeira, puisque c'est une immense caldeira qui fait 12 km de diamètre. Une caldeira, c'est un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Et on va aller chercher l'eau sacrée qu'on va recueillir sur un des volcans de la région pour aller bénir les offrandes. Cette eau, on va la ramener dans ce tube en bambou. Et on va le faire le jour du quesodo, c'est-à-dire la pleine lune de juillet. Alors bien sûr, c'est la fête locale. On chante. Vous avez vu qu'il y a des traditions capillaires pour certaines chanteuses qui sont assez étonnantes. Tout le monde danse, y compris les hommes, les hommes importants, le chef du village, mais aussi le chef de la police, notre caddie et puis euh, le mafieux local. Tout le monde est, est là pour, euh, pour ce grand moment de rassemblement et il faut tous descendre pour aller euh, ce soir de la pleine lune au fond de la caldeira. Quand on dit tous, c'est un million de personnes. Et ça, c'est la nuit de la pleine lune. Cette nuit de la pleine lune, on va aller au temple. Alors, c'est des ambiances qui sont des ambiances totalement hors du temps. Et on va aller faire bénir les offrandes avant, au lever du jour, de monter sur le volcan. Alors, au lever du jour, ces ambiances, regardez, on a des gaz partout sur, le, sur les flancs du volcan. Ça vous pique le nez, vous avez les yeux qui pleurent. Et tout le monde monte sur les flancs du volcan pour aller jeter les offrandes dans le cratère. Alors là, c'est extrêmement symbolique. Pour les hindouistes, le fait de jeter, de donner c'est ce qui fait le respect vis-à-vis -vis de la divinité et Bromo est la divinité, on va jeter dans le cratère. On va jeter différentes choses, vous voyez, on fait ces prières, mais on voit que de l'autre côté de la barrière, mais en fait, il y a des gens. Et ces gens, ils sont dans le cratère, ils sont en plein dans les gaz volcaniques. C'est un des volcans les plus actifs de la planète. Alors, ils sont avec leurs épuisettes, vous voyez qu'il y en a qui arrivent avec les poulets, d'autres qui vont arriver avec des chèvres. D'autres qui vont arriver avec de l'argent, avec les légumes, tout ce que l'on apporte, tout ce qui est de plus cher, on va aller le donner au volcan pour qu'il puisse vous donner au, au centuple, puisque c'est le volcan qui donne la vie. Alors, euh, tous ces, les gens pauvres sont dans le cratère pour aller récupérer, parce que pour les hindouistes, à partir du moment où vous avez fait le geste de donner, peu importe ce que devient l'offrande, il faut que ça profite. Et là, on ne perd pas. C'est-à-dire que le geste de dévotion va nourrir les gens pauvres de la région alors ça se fait regardez euh, le cratère c'est un gouffre béant ça fait euh, 450 mètres 500 mètres de profondeur avec euh, des gaz extrêmement acides un lac d'acide dans le fond une pente qui est comme ça et tout le monde est dans un équilibre précaire et chacun fait ses offrandes là c'était des, des piments là le resquilleur est, on les appelle les resquilleurs ceux qui récupèrent Il aime pas les patates Là, on jette, on jette de l'argent. Le poulet. Là, il y a un resquilleur qui remonte avec une chèvre. Et tout ça, ça fait l'objet. Alors, je peux vous dire que la pente, on peut quasiment pas tenir dessus. Hein. Ça fait l'objet. Ça, c'était Atsoko, notre, notre personnage, notre paysan qui venait de faire son, son geste. Il est habillé en tangueri. Il y a vraiment ce respect qui est un respect extrêmement important vis-à-vis -vis de cette divinité qui est la divinité du volcan. Mais en fait, qui est la Terre. Hein, c'est vraiment. Un... Et regardez l'immensité de ce cratère. On a l'impression qu'on est, qu est dans la totalité du cratère, dans les images que j'ai faites précédemment. Regardez, c'est juste l'endroit où il y a les bâches, là. Vous imaginez la dimension C'est là qu'on s'aperçoit que ces volcans, c'est absolument gigantesque, et le bromo est un petit volcan. Regardez, là, on jette des pièces de monnaie, vous les avez en haut, et on va essayer de les attraper à l'épuisette. Et. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un million de personnes et qu'on est en niveau d'alerte 3 et que les volcanologues n'ont pas le droit de mettre les pieds à moins de 3 km du volcan. C'est-à-dire que c'est les trois seules personnes qui sont en dehors de la fête. Ils sont avec leurs instruments là et je peux vous dire qu'ils sont totalement verts parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller avec leur famille. Mais leur administration leur interdit. Ils continuent à faire des mesures. Là, c'est des distances mètres qui permettent à partir d'une base de faire des mesures de distance. Quand le magma monte sous le volcan, le volcan gonfle, ça augmente la distance et ça prouve qu'il y a une intrusion magmatique sous le volcan. On continue notre voyage en Indonésie à travers une, une tradition que vous connaissez bien qui s'appelle les mineurs de soufre. Vous avez vu ces sujets sur les mineurs de soufre. Alors encore une fois, à chaque fois, les volcans, c'est toujours traité de manière très journalistique sur le côté relation presque primaire avec la nature, et sur le côté mineur de soufre, les forçats du soufre. Et quand on travaille, on travaille toujours avec des journalistes localement, qu'on appelle des fixeurs, et les fixeurs nous disent « on va rencontrer les mineurs » et on commence à discuter avec eux, et le mineur avec qui on travaille, il nous dit « je le vois monter avec sa, sa brouette, avec ses, ses paniers » Et dans un paysage qui est un paysage sublime. Bon, après, ça se gâte quand les gaz volcaniques arrivent. Mais on arrive sur le bord du cratère. Alors là, d'un seul coup, vous avez vu que le biologique a disparu. C'est que les gaz ont fait leur travail. Et là, quand, quand je suis avec lui, qu'on discute là, il me dit bah, Moi, ça fait 27 ans que je fais ce travail. Je suis indépendant. C'est moi qui veux venir au volcan. Je livre ma, ma récolte de soufre à l'entreprise, qui est l'entreprise nationale qui récupère ça. Mais moi, j'ai un statut qui est un statut particulier ici. Je gagne, grosso modo, entre 3 et 5 fois ce que je gagnerais en étant paysan, en travaillant avec une dureté qui est équivalente. Et le volcan me donne un statut qui est un statut. À Java, je suis considéré comme un des hommes forts de Java. Donc le volcan me donne un statut qui est tout à fait enviable et il y a plein de gens qui veulent venir travailler. Et là, on commence à découvrir et il me dit Tu sais, le. Ça ne s'arrête pas, notre travail dans le fond, c'est un véritable circuit jusqu'à l'exportation du soufre. Et nous, on décide de suivre ça. Alors vous allez voir que ce qu'il nous dit, euh, il y a une partie qui est totalement vraie, c'est des gens indépendants. On va descendre dans ce cratère. Alors là, je peux vous dire que vous avez intérêt à vous équiper. C'est totalement interdit au public, sauf euh, quelques personnes qui descendent. Mais si vous n'avez pas un masque à gaz, euh, un très bon masque à gaz avec les bonnes cartouches, c'est très problématique et très rapidement. À l'origine, c'est de la roche volcanique. Vous avez l'habitude de la voir. La roche volcanique, elle est plutôt grise ou noire. Là, en l'occurrence, assez grise dans ce type de volcanisme. Là, il n'en reste plus. Ce qui reste, c'est ce qui a été mangé par les acides, c'est-à-dire des argiles, qui sont les roches les plus fantastiques de la, de la planète, qui vont prendre des, œufs, des couleurs totalement incroyables. C'est vraiment... On a l'impression de rentrer dans une dent carriée. Et dans le fond de cette dent carrière, alors on croise des mineurs de soufre qui remontent. Lui, il est assez âgé. Il portait 85 kilos. En fait, il va faire deux descentes dans la journée pour remonter à la lèvre du cratère. Et puis ensuite, il va descendre avec sa brouette les 15 kilomètres pour aller jusqu'à l'usine. Là, on est directement dans le cratère. Vous les voyez remonter avec cette lame de bambou qui est suffisamment flexible. Et en fait, ici, ils ont une protubérance musculaire à force de passer, de passer le... Le, le bambou. Là, sur les... On a l'impression qu'il ne fait pas d'effort, mais je peux vous dire que c'est un effort qui est un effort surhumain, surtout dans, cette, dans cet environnement-là. Les plus costauds montent jusqu'à 125 kilos. Et alors là, vous arrivez dans ce qu'on appelle la zone de Solfatara. La Solfatara, c'est un cratère dans la région de Naples et là, on a défini tous les phénomènes qui sont les phénomènes d'exhalation de, de gaz volcanique. Et là, les gaz qui sortent sont parmi les plus acides de la planète. On a tourné cette séquence-là et nos deux caméras mortes, mes deux appareils photo en carafe. Ça a mangé les connectiques. Quand ils ont ouvert les, les caméras au retour, il n'y avait plus une connectique qui marchait. Tout était corrodé à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour exploiter le soufre En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que normalement, les, les évents volcaniques sont répartis un petit peu partout, en fonction des failles. Et là, ils vont mettre des tuyaux pour récupérer le, le, les gaz, les concentrer, et ce qui va faire que ces gaz concentrés vont donner des gouttes de soufre liquide, et ce soufre liquide va couler par le bout des tuyaux. Alors regardez cette espèce de, de liquide rouge là, qui, qui coule. Ça, c'est le bord. Euh, et regardez ce liquide qui, qui coule. Tout simplement parce que si vous récoltez la fleur de soufre, ça va partir directement en poudre. Alors que là, ils vont récolter du soufre qui est du soufre liquide qui va cristalliser en grandes plaques qui vont casser la baramine et qui peuvent ramener plus facilement, donc ils peuvent en ramener plus. Donc, encore une fois, ils ont développé tout un, un système qui est un système ingénieux. Ça, c'est des petits dégazages dans le soufre. Je vous passe l'odeur. Il n'y aurait vraiment plus personne dans la salle. Alors, certains travaillent avec le masque à gaz, d'autres non. Ça dépend de. Je peux vous dire que c'est extrêmement important. On imagine que c'est ce qui est le plus dangereux. En fait, ce qui est le plus dangereux, c'est ce que vous avez là. Là, le pH n'est même plus à zéro, il est négatif. Donc c'est vraiment le milieu le plus acide de la planète. Il n'y a pas une forme de vie. C'est le lac d'acide le plus, le plus dangereux. Tout simplement parce que c'est un lac issu du ruissellement de toutes les eaux qui viennent à l'intérieur, plus de la condensation des gaz volcaniques qui sortent. Donc c'est extrêmement, la température c'est une quarantaine de degrés, donc il va s'évaporer, il va se concentrer en acide. Et le problème c'est que les bulles de gaz qui remontent à l'intérieur vont se concentrer dans le fond du lac. Et quand elles deviennent trop grosses, elles remontent à la surface. Essentiellement les gaz volcaniques sont concentrés, alors mis à part la vapeur d'eau qui va condenser, qui va donner de l'eau dans le lac, le reste, le gaz le plus important, c'est le CO2. Et à ce moment-là, c'est des bulles de CO2. Et là, les mineurs vous racontent des histoires qui sont des histoires où vous avez, ils l'appellent... Le serpent, il y a le serpent qui arrive après une explosion. Le lac change de couleur et d'un seul coup, ils peuvent plus respirer. Et là, il y a des morts très régulièrement. C'est incolore, inodore. C'est vraiment la pire des morts, le CO2. Et donc, c'est vraiment l'environnement qui est le plus dangereux. Donc, il y a les volcanologues surveillent la zone de manière très importante. Regardez la surface de ce lac d'acide. Vous avez vu la, comment la roche est carriée. Ça, c'est Soumarty, la chef des volcanologues de Java une dame extraordinaire là, qui faisait des mesures de température dans son travail de suivi. Dans cette, dans cette zone de solfatar, c'est là où les, les, les mineurs travaillent et ils vont remonter euh, ces paniers de soufre. Ça, c'est ce qu'on connaissait euh, naturellement. Depuis quelques années, on a découvert un phénomène qui est un phénomène unique ici parce que comme ils concentrent les gaz, les gaz vont sortir extrêmement chauds. Et les gaz soufrés, quand ils sortent extrêmement chauds, en fait, ils s'enflamment. Deux jours on ne les voit pas. Par contre, de nuit, on les voit. Et ça va donner un spectacle qui est un spectacle absolument extraordinaire. Quand on descend de nuit dans le cratère, je peux vous dire que c'est une expérience. Hein. C'est ce qu'on appelle les flammes bleues. C'est-à-dire que les gaz souffraient. Donc il faut que les gaz soient à plus de 700 degrés. De jour, ça se passe, mais on ne les voit pas. Là, de nuit, eh bien, ça révèle le phénomène. Et c'est un phénomène qui est un phénomène extraordinaire. Donc qui a lieu. Uniquement, euh, enfin, en tout cas, qu qui est révélé par, euh, par la nuit noire. La suite du travail des, des mineurs, c'est bien sûr de remonter le soufre et ensuite de le descendre de l'autre côté du volcan, parce que les volcans, bien sûr, une fois que vous êtes remonté du cratère, il faut redescendre. Là, 12 à 15 km pour redescendre avec des, des remorques qui sont équipées de freins. Ils arrivent en bas à la fabrique de soufre, enfin, en tout cas là où on va collecter le soufre, on pèse. Ça, c'est le travail d'un mineur pour une journée. Hein. Vous imaginez c'est un travail complètement exceptionnel. Ils sont payés à la journée, on va mettre ça dans le, la benne d'un camion et on va l'emmener dans une fabrique. Et là vous arrivez, je peux vous dire que c'est Zola. C'est en plein cœur de la forêt. Vous avez plein de bois coupé qui est du bois totalement vert. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le soufre dans des grandes marmites avec du feu en dessous pour le faire bouillir. Alors là, pour le film, ils avaient donné des vêtements de sécurité, c'est-à-dire un tablier au mec qui remuait le soufre. Bon, il était en tong. Ça, c'est le soufre qui est recuit. Ça permet de pouvoir éliminer les impuretés à travers ces filtres. Conséquence environnementale extraordinaire, c'est que ce filtre se colmate immédiatement. Une fois qu'il est colmaté, on le jette à côté. Donc, ce n'est pas très vertueux. Mais on récupère un soufre qui est un soufre de bonne qualité. On va le tendre sur un carrelage qui a été nettoyé et qui a été imbibé d'eau. Ça va cristalliser sous forme de plaque. Qu'on casse en petits morceaux. Qu'on va mettre dans des sacs. Et c'est ce soufre va partir pour blanchir le sucre dans les sucreries. Si vous mangez du sucre blanc, on blanchit le sucre blanc à l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique là en Indonésie, il vient du Kawinjen. Change de volcan. On revient en Europe. Stromboli. Alors ça, si vous voulez faire un voyage fantastique, ça, je peux vous dire, comme on dit chez moi, c'est quelque chose. Alors si vous voulez vraiment voir la terre respirer, c'est un volcan qui peut être extrêmement dangereux. Quinze jours après qu'on ait tourné à l'endroit où on était, il y avait des bombes qui faisaient la taille deux fois la taille des, des fauteuils là, qui tombaient au même endroit. Ça, regardez ces petites explosions. Boum, ça c'est l'activité qu'on appelle strombolienne. Les bulles de gaz remontent, elles vont exploser à la surface emmenant des lambeaux qui vont retomber, c'est des bombes volcaniques. La partie, alors ce qui est intéressant dans la photographie, c'est que la partie du milieu, c'est la fragmentation extrême du magma, c'est ce qu'on appelle en volcanologie des cendres. Mauvais terme, terme du 19e siècle, puisqu'on sait depuis que dans le centre de la Terre, il n'y a pas de combustion. Mais c'est le terme qui a été défini au XIXe siècle, puisqu'on n'avait pas découvert un élément qu'un élément fondamental pour comprendre la dynamique de notre planète qui s'appelle la... Ah non, vous dormez déjà. Qu'est-ce qui fait la chaleur de notre planète Pourquoi quand vous mettez votre vin dans votre cave, sous votre maison, le flux thermique fait que la température est constante La radioactivité, merci. Et donc, euh, vous voyez que dans le vocabulaire scientifique, il y a des moments, où ça n'aide pas beaucoup. Et je me rappelle de mes copains journalistes hein, qui me disaient Mais quand il y a eu l'éruption de leyafiat la il y a des cendres qui tombent. Et pour la majeure partie des gens qui écoutaient, les cendres, c'est ce qu'on récolte dans la cheminée après une combustion. Alors que c'est la fragmentation du magma avec, euh, avec l'eau. Alors, Stromboli, c'est vraiment le spectacle absolument exceptionnel. Et simplement, il y a des gens qui vivent dans le petit village qui est de l'autre côté de l'île, qui s'appelle Ginostra. C'est un des plus beaux endroits de Méditerranée et là, on y cultive des olives. Alors, euh, ça, c'est la vue sur le... Vous voyez, les petits, petits morceaux qui volent le plein jour. Et puis, de temps en temps, chez euh, notre ami euh, cultivateur d'olives, bah, il nous raconte qu'il y a 15 ans, euh, bah, il y a la bombe qui est tombée sur la maison. Mais il dit, moi, je ne partirai pas parce que la bombe qui tombe sur la maison, ça dure quelques minutes dans une vie. Et vivre ici, c'est une chance absolument extraordinaire, parce que mon, mon huile d'olive est réputée dans le monde entier, parce que le sol ici est fertile comme nulle part ailleurs. Alors, regardez ces olives. Hein. Alors on les fait tremper. Et il a fait le choix de ne pas partir, alors que ses parents voulaient absolument qu'il parte pour euh, aller faire des études. Et c'est parce qu'il a fait des études qu'il est revenu. Hein. C'est un endroit sublime. Alors, un autre endroit sublime dans le monde des volcans. Ça s'appelle Napoli. C'est la ville la plus folle du monde, avec une énergie qui est une énergie totalement incroyable. Là-bas, les gens ne souscrivent pas d'assurance vie. Hein. Ils vivent l'instant présent. C'est une ville d'une violence extrême, mais c'est aussi d'une ville d'une beauté extrême. Il faut dire que quand ils regardent ce paysage-là, vous êtes sur la colline du Vomero, c'est un des grands paysages. Vous avez devant vous le Vésuve. C'est celui qui est là, hein. sur votre gauche, le mont Somma. Et le mont Somma, c'est le, le volcan qui est rentré en éruption en 79 après Jésus-Christ. Mais quand vous regardez cette image-là, le danger, vous l'avez dans le dos. Parce qu'il y a un autre volcan dans la baie de Naples qui s'appelle les champs flégréens. Et les champs flégréens, c'est le volcan le plus dangereux. Et c'est le volcan qui a donné la couleur à la ville de Naples. Regardez, il y a une dominante de jaune qui est extrêmement marquante. Tous les bâtiments, toute l'architecture est construite avec ce qu'on appelle les tubes volcaniques, qui sont issus non pas des éruptions du Vésuve, mais des éruptions du champ, des Champs-Flégréens, qui est un super volcan qui est installé dans ce qu'on appelle la baie de Puzzol. Alors regardez ce, ce matériau, ce tube jaune, très particulier. C'est des dépôts de nuées ardentes, c'est-à-dire des épanchements de gaz à très haute température qui. Euh, descendre sur les flancs des volcans c'est ce qui est le, le plus dangereux et ça va donner cette roche très particulière ça c'est le cratère de la solfatara et quand vous êtes dans Naples sous la protection de saint janvier ça c'est vous allez pouvoir descendre et faire une expérience qui est une expérience absolument phénoménale parce que nous géologues, les scientifiques du 21e siècle, on imagine qu'on détient la connaissance, mais en fait, les anciens, ils détenaient aussi la connaissance parce que les Grecs, quand ils sont arrivés, ils sont descendus sous terre. Il faut dire que les Grecs vivent dans un environnement volcanique et qu'ils connaissent très bien les dépôts de nuit ardente et Ils sont allés chercher le matériau à 40 mètres de profondeur. Et en fait, la ville antique, si vous voulez avoir le plan de la ville antique, il suffit de descendre à 40 mètres de profondeur et vous avez exactement ce qu'il y avait au-dessus, puisque les trous qui sont laissés, c'est le volume des bâtiments qu'il y avait au-dessus. Et ils sont venus chercher cette roche. On a encore les. Regardez. Le marteau, l'outil. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils drainaient l'eau dans ces anciennes carrières. Et cette eau, on menée depuis le Vésuve à travers un système qui est extrêmement ingénieux. On reprenait les failles, puisque cette roche volcanique, quand elle refroidit, elle se rétracte. Il y a des failles qui se forment. Et on agrandissait les failles, non pas de manière linéaire, mais en forme de V. C'est-à-dire qu'avec une très faible pente, vous augmentez la pression, principe physique. Et tout ça, sans GPS et sans moyens modernes, mais pour acheminer et faire des citernes sous les maisons, un puits, 40 mètres, et vous aviez l'eau courante. Magique. Alors maintenant, il y a des géologues sur place, il y a un géologue complètement malade, qui a inventé et qui réutilise ses carrières pour faire... Du basilic. Parce que vous savez que la pizza napolitaine, un des ingrédients de la pizza napolitaine, c'est le basilic. Et que ce basilic, en fait, il pousse très bien sous terre à partir du moment où on lui apporte de la lumière, parce que le tuf, naturellement, est gorgé d'eau. Donc, on n'a pas besoin d'arroser le basilic. On fait venir l'électricité, qui est l'électricité qui est produite par des panneaux solaires. Et donc, on fait du basilic, qui est du basilic volcanique, sous Naples. Alors il est totalement biologique, hein, alors qu'on est en plein cœur de Naples, c'est l'endroit le moins bio de la planète. Hein. Et juste au-dessus, il y a des caves dans lesquelles on va utiliser ces mêmes caractéristiques du tube volcanique, cette humidité, pour faire gonfler la pâte de la pizza. Donc on peut faire des choses simplement en utilisant la nature, et comme quoi l'expression, la nourriture, c'est l'expression aussi de l'environnement dans lequel on vit. Autre destination absolument sublime, ça s'appelle la Tanzanie. On va sur un volcan qui s'appelle l'Oldwanolangai. C'est le volcan sacré des Maasai. Regardez ce volcan, il est unique au monde. Alors les Maasai savent toujours se placer pour donner l'échelle. Et c'est des gens qui vivent de manière extraordinairement en équilibre avec la nature. Mais le dieu Engai leur a donné la le droit de conserver tous les troupeaux du monde. Ce qui pose un énorme problème en termes de surfréquentation de sur... Euh... Sur des endroits où il y a de, de l'herbe, des pâturages. Alors euh, les jeunes Maasai, ce sont des guerriers, et ces guerriers vont apprendre la nature dans une retraite sur les flancs du volcan. C'est uniquement les jeunes, on les appelle les Moranes. Ils boivent des, des boissons qui sont des boissons de mixture de plantes, de sang et de lait. Ça n'en goûtera pas. On compte les jours avec ce boulier naturel où on met des cailloux à l'intérieur. Et puis, euh, ensuite, on va monter sur le volcan parce que c'est là où vit le dieu Ngai, l'unique dieu des Maasai, celui qui leur a confié le, les troupeaux du monde entier. Alors, monter, euh, monter au Lengai ça ne bon s'invente pas les troupeaux hein, monter au Langai, c'est 8h50 de montée avec une pente qui est à peu près comme ça vous finissez à genoux tellement c'est pentu et pour nous volcanologues on y va pour une chose bien sûr pour comprendre la culture Maasai mais aussi pour ça ça ressemble à rien mais il y a des moments les géologues ils font des calipettes à l'envers pour des trucs qui ressemblent à pas grand chose et là en l'occurrence c'est une lave qui est unique au monde ça s'appelle la natrocarbonatite dans la nature, toutes les laves sont silicatées, c'est-à-dire sont majoritairement constituées de silice. Et bien là, cette lave est majoritairement carbonatée. On connaît ça sur quelques volcans de la planète, en particulier un volcan dans le, massif, dans le bassin rhénan qui s'appelle le Kaiserstuhl, là, de l'autre côté de Bâle. Et on va monter, c'est le seul volcan au monde, l'Old Wanolangai, qui donne ces laves. Regardez, on a l'impression de voir. Du sucre glace. Michel me dit qu'il n'y a plus que cinq minutes. Regardez, cette, cette, ça ressemble à tout sauf à de la lave. Et alors, ça donne des figures d'érosion qui sont extrêmement pentues. Une pente qui, est, je peux vous dire que pour monter là-haut, c'est une bonne bonne suée. Et les retombées de cendres, c'est des cendres qui sont extrêmement alcalines. On fait disparaître la végétation. Dans toute la région. Il faut dire que le volcan est rentré en éruption dans une éruption violente en 2009. Et là, plus personne n'était remonté au sommet. On a été quasiment les premiers à remonter au sommet. Ça, c'est la partie terminale. On grimpe vraiment comme on peut. Et on va arriver euh, sur le bord de ce cratère. Il y a une énorme faille parce qu'il y a un nouveau cône qui s'est formé au sommet de ce cratère. Il y a des fumerolles qui sortent. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de l'activité. Et pour nous, on y va avec euh, le spécialiste du Langue, qui est un belge qui n'est pas monté depuis dix ans. Et on arrive au sommet de ce volcan avec ce trou béant extraordinaire, ces fumerolles partout, un espèce de ce qu'on appelle un ornitho, c'est-à-dire ce cône qui s'est formé par projection. Et on veut voir cette lave qui est une lave qui est unique au monde. 500 degrés, c'est une lave très froide pour les volcanologues. La lave, normalement, c'est entre 800 et 1200 degrés. Extrêmement fluide, la fluidité de l'huile d'olive. Et qui devient toute blanche dès qu'elle refroidit. Alors là, quand vous voyez des projections de boue comme ça, c'est qu'il y a eu des projections extrêmement récentes. Il y a eu des piscines avec euh, du gaz qui, qui a circulé, qui donne ces espèces de cheminées. Et ces stalactites-là qui, qui pendent. On passe un bivouac de fortune au sommet du volcan, c'est à 2800 mètres d'altitude. Et le lendemain matin, on, entend, on commence à entendre des choses. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment la, la récompense. Parce que d'un seul coup, on commence à avoir des jets de matière dans le fond de ce petit cratère. C'est un cratère qui fait 2,50 m de diamètre. Et on entend un espèce de bruit de soie froissée. Ça donne un... Et à chaque explosion de ces, bombes, de ces bulles de gaz, on a des projections. Ça, c'est de la lave. De nuit, vous ne voyez même pas qu'elle est rouge. C'est la fluidité de l'huile d'olive. C'est composé, composé essentiellement de carbonate C'est très froid, 550 degrés. C'est le seul endroit de la planète où on peut voir ça. Et ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça depuis la dernière grande éruption, et on a fait la cartographie au drone puisque maintenant avec les drones on fait des images en trois dimensions qui permettent de pouvoir connaître le taux de, de montée, enfin le, le taux de, de lave qui arrive dans le, dans le cratère et pour étudier le comblement de ce cratère. C'est un endroit, voilà, c'était une émotion qui était une émotion assez extraordinaire. Après, bien sûr, il faut redescendre. Et on arrive au pied, parce que les volcans donnent toujours des environnements qui sont des environnements exceptionnels, dans un, sur le bord d'un lac qui s'appelle le lac Natron. Toutes ces roches, bien sûr, elles sont lessivées, ces roches volcaniques, comme elles sont alcalines, tous ces sels arrivent dans le fond. L'évaporation va faire que ça va donner une croûte de sel. Cette croûte de sel... Elle est utilisée, elle est exploitée, non pas par les hommes, là c'est parce qu'il y avait la télé, il y a un chef de village qui est venu, mais bien sûr par les femmes, c'est toujours les femmes qui font le boulot. Et elles exploitent ce sel, elles vendent les plaques sur le bord de la route, ce qui permet d'avoir un revenu après avoir pilé ce sel avec ses enfants qui sont toujours là. Et chose exceptionnelle, le bord de ce lac Natron, on a découvert il y a maintenant cinq ans les traces. Qui sont des traces d'animaux qui vivaient là. En fait, c'est le bord du lac. Et ces animaux ont laissé des traces dans de la cendre très fraîche qui avait été projetée par le Loldouane-Lolangai. Et ces traces-là, elles ont pour certaines 15 000 ans, pour d'autres 5 500 ans. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a aussi des traces humaines. C'est-à-dire, on a les traces des gens qui étaient là. Donc, ça fossilisait la vie des gens. Alors, ça, on connaissait un petit peu plus loin à l'Aïtoli. Dans des, un endroit où, on a, où ça a fossilisé des traces d'Australopithèques, on est bien plus loin, 2,7 millions d'années. En tout cas, cet environnement volcanique, cette euh, rift-vallée, est riche d'enseignements. Je termine mon voyage sur un truc qui est un truc complètement dingue. C'est euh, ma prochaine destination pour la saison 2. On retourne au Japon à partir du 15 juillet. C'est bon, un endroit où on a une relation au volcan qui est tout à fait exceptionnelle. Là, on est dans le sud du Japon. Dans un endroit, une énorme caldeira, des volcans les plus actifs de la planète, qui s'appelle le Sakurajima. Et on va aller faire le tsunamushi. Je peux vous dire qu'on pourrait aller faire ça tous ensemble ce soir, ça serait absolument fantastique. Donc il faudrait passer au vestiaire et faire ses ablutions à la japonaise. Et on vous habille avec ces kimonos assez saillants. Bon, il y a déjà des panneaux, ce qui est rare. Écrit en anglais, ça veut dire que ça doit être vraiment dangereux. Et on va faire le, un de vos fantasmes quand vous étiez gamin, c'était de vous faire ensevelir à la plage par vos copains à côté. Là, on, se, on faisait le mort sous le sable. Ben là, c'est exactement le même principe, sauf que le sable est à 80 degrés. Donc, on vous a donné un kimono, on vous allonge, on vous fait un petit, un petit oreiller en sable, et on va vous recouvrir. Ce sable est extrêmement dense, il vous appuie sur le corps. Je ne connais pas de truc plus délassant que ça. Vous avez le droit à 12 minutes. Au-delà de 12 minutes, euh, bon, déjà, il faut, il faut dire qu'on n'est pas cardiaque, s'engager. Et c'est une expérience qui est une expérience assez exceptionnelle. Chaque Japonais doit aller faire ça au moins une fois dans sa vie. C'est un truc, euh, voilà, c'est typiquement japonais, absolument extraordinaire. Ça marque aussi le fait que c'est une relation à la nature, où on va profiter de cette nature d'une manière complètement incroyable en en tirant les bénéfices. Euh, qui sont des bénéfices un petit peu extrêmes là. Mais juste à côté, ça c'était notre... masse notre traducteur. Juste à côté, vous avez une ville de 2 millions d'habitants avec le volcan, un des volcans les plus actifs de la planète. Cette, certaines années, c'est jusqu'à 300 éruptions par an. C'est-à-dire que quand vous habitez là, alors on vous prévient, hein, les évacuations, quand vous, avez, vous envoyez vos enfants à l'école, vous les envoyez avec des casques. Parce qu'il ne pleut pas, il tombe des cailloux. Vous voyez, là, il va au ramassage scolaire. Le volcan est à 3 km à vol d'oiseau. Ça, c'est ce qui est tombé pendant la nuit. C'est des beaux cailloux. Hein. Et ça, c'est les abribus. Donc, ça vous donne une petite idée de, du risque que vous avez. Alors, c'est un volcan absolument sublime. Là, M. Shimabara, là, il, il, vit, euh, il vit là. Et tous les matins, il a obligation légale. De nettoyer la cendre qui est tombée pendant la nuit. Parce qu'autrement, les toits s'effondrent. Alors, on produit les plus petites clémentines de la planète, qui sont aussi les plus gouttues. Regardez ce panache. Ça, c'est l'activité du volcan en permanence. Alors, on nettoie les trottoirs et puis on met au tri sélectif. On vient récupérer les cendres volcaniques. On, on vide les sacs. On récupère les sacs et après, on met ça dans la mer. On balaye les rues. Mais pourquoi ils habitent là Tout simplement parce que la Terre est plus fertile que nulle part ailleurs. Alors, avant d'aller au champ pour aller récolter ce que vous avez vu avant là, qui sont les Daikon, les plus gros radis de la planète, on passe au temple, prier le volcan, le dieu du volcan, qui fait partie du panthéon de la famille, et on va aller récolter les plus gros radis de la planète. Et alors là, quand on y va avec M. Eh bien, on rentre dans les champs et on va aller commencer à parler aux radis parce qu'on a un respect vis-à-vis -vis des radis qu'on va arracher. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même respect en tout cas le même rapport à la nature qu'on peut avoir de temps en temps chez nous et on va arracher ces radis. Alors les plus gros, là c'était le début de la saison donc ils étaient petits, ils voulaient pas les arracher parce que ça va jusqu'à 60 kg. Donc c'est-à-dire que vous faites du steak de radis. On les fait on les fait Mariner dans un vinaigre de riz local, ce n'est pas très très bon. Enfin, en tout cas, c'est particulier. Mais en tout cas, il y a un, vous avez vu, quand on met dans la brouette, on met de la paille d'abord pour pas blesser les radis. Donc on a un, vraiment un autre rapport à la nature quand, quand on est au Japon. Et bien sûr, les volcanologues surveillent ce volcan. Et alors là, les volcanologues japonais, ils ne le font pas comme ailleurs. Parce que le volcan fait tellement d'éruptions dans l'année qu'il est impossible d'aller sur le bord du cratère, c'est trop dangereux. C'est un volcan extrêmement explosif. Et alors là, ils ont eu une idée complètement incroyable, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est le bord du cratère, il totalement interdit d'aller mettre les pieds là-bas. Ça c'est ce qui tombe. Et qu'est-ce qu'ils ont imaginé ben, Si on ne peut pas y aller par le haut, on va y aller sous terre. Et c'est le, le seul endroit au monde où les volcanologues ont creusé un tunnel pour aller poser des instruments au plus près du magma. Je peux vous dire, quand ils ouvrent la porte, vous avez vu qu'ils sont extrêmement coqués, ils ont mis de la moquette rouge. Et vous rentrez dans ce tunnel qui fait un peu plus d'un kilomètre de long pour aller voir des instruments qui sont planqués dans le volcan pour avoir une acuité, en tout cas une, une sensibilité qui est une sensibilité extrême. Et c'est les seuls au monde à pouvoir détecter les explosions avant qu'elles n'arrivent à la surface. C'est-à-dire qu'ils vous disent Ah oui, nous, on a essayé qu'à 21h42 hier soir, il y a des bulles qui sont remontées dans le magma et qui sont arrivées, et ça a donné, deux minutes plus tard, des explosions. On a pu prévenir. Et ils le font essentiellement grâce à ce système. Vous avez l'impression d'être dans, un, dans une cave universitaire en France, là, pour aller chercher des, des eaux comme on avait fait pour les mammouths à l'université de Rennes. Là. En fait, là, c'est des tiroirs. Ce pas des tiroirs, c'est un, un niveau géant, 200 mètres de long, en forme de triangle. Et ça permet de pouvoir avoir des micro-déformations. C'est-à-dire que quand le magma va monter, le volcan va légèrement se déformer. Et avec cet instrument, ils sont capables de le suivre. Bon, les Japonais sont des dingues de technologie. Je pourrais vous emmener dans plein d'autres histoires. En tout cas, c'est les seuls au monde à faire des tunnels pour aller dans les volcans. Et c'est un truc qui est un truc absolument extraordinaire. Et je termine là-dessus, puisque tous les ans, ils commémorent la grande éruption de 1914 en faisant le plus grand exercice d'évacuation de territoire volcanique de la planète. Là, on évacue plus de 7000 personnes. Alors, à la japonaise, hein, c'est-à-dire à la sirène, avec le code barre, avec votre nom sur le casque, pour n'oublier personne. Les rapports ont fait venir euh, les ferries, tout le monde monte. Alors, euh, il paraît que c'était le bazar. Je peux vous dire qu'on entendait les mouches voler. C'était euh, extrêmement organisé. Vous voyez ces gens qui étaient, euh, ces vieilles personnes qui étaient sur la, avec l'image du volcan en éruption derrière. Tout le monde est à bord du bateau. On fait des exercices avec les hélicoptères. C'est vraiment format XXL. 7000 personnes évacuées. Et là, vous avez le maire de Kagoshima qui arrive avec son porte-drapeau derrière. C'est une organisation très militaire. Bon, je peux vous dire que le soir, avec le saké, il était un peu moins militaire que ça. Et on donne les, les, consignes, les consignes à tout le monde. Et tout le monde répète pour pouvoir être prêts le jour de la grande catastrophe, puisqu'ils savent que les volcanologues leur disent que dans les 30 ans à venir, il y aura une grosse éruption du Sakurajima, et que là, dans la baie, il y a 2 millions de personnes qui vivent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour le fun, on fait ça réellement pour apprendre à passer une situation d'urgence. Et là, on s'aperçoit qu'on a la capacité d'un peuple à se mobiliser contre des éléments naturels. Ou en tout cas, pour apprivoiser des éléments naturels qui peuvent remettre en question leur vie sur leur territoire. C'est la notion de pouvoir faire du préventif et pas du curatif. Deux cultures qui sont complètement différentes. Donc, on apprend à faire des meubles en carton, à faire les gestes de premier secours. Et ça, ils savent que ça leur sauvera la vie lors de la prochaine éruption. Ça, c'est les vues du cratère. Ça, c'est le mont Hunzen. Et on évoquait tout à l'heure avec Sylvie cet endroit qui est cet endroit incroyable, c'est le monument à la mémoire de Maurice et Katia Kraft, là où ils sont morts. Les Japonais leur en veulent beaucoup, puisque les Japonais vous disent directement que s'ils sont morts là, c'est de leur propre faute. Mais le problème, c'est qu'ils ont emmené 51 personnes avec eux, y compris des sauveteurs et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de monument. C'est une plaque qui est dans les herbes folles où il y a le, monde le nom d'Ariglican le volcanologue américain, et de Maurice et, de et l'ensemble des sauveteurs qui sont là. C'est encore un énorme traumatisme à l'échelle locale. L'éruption du Hunzen a été absolument catastrophique. En tout cas, c'est un moment qui est un moment dans l'histoire de la volcanologie, enfin en tout cas quand on va sur place, qui est extrêmement, extrêmement émouvant. Je pourrais continuer le voyage en Amérique du Sud, mais je crois qu'il faut qu'on arrête là. On était parti au Guatemala, mais ça sera pour une, une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oups. Vous êtes renversant. <laughs> C'est pour ça que j'ai failli... Oui, il restait euh, juste pas, 300 images, mais... De ne pas arriver jusqu'à vous. Mais oui, c'est toujours le difficile exercice de mettre un, un terme à une aventure euh, passionnante que vous nous partagez avec euh, beaucoup de passion. Euh, mais on doit se tenir à un timing, d'autant euh, il y a quelques, euh, quelques minutes encore euh, à consacrer pour euh, quelques questions et réponses de votre part. Oui. Et puis ensuite, on aura rendez-vous à l'étage pour une, euh, voilà, une petite séance de dédicace hein, sur ça. ce... Euh, ce dernier ouvrage, les volcans et les hommes. Euh, Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà euh, suite à cette très belle intervention d'Arnaud Guérin autour de ces volcans et de ces hommes euh, Pour avoir été là en 2014 lorsque vous aviez euh, déjà eu le, le, le plaisir et nous de vous recevoir et vous de venir, c'est vrai qu'il y a cette donnée humaine qui est euh, très importante hein, euh, dans la présentation que vous nous avez faite euh, aujourd'hui et peut-être qu'il y a des questions autour de cette. Euh, alors j'ai envie de dire de cette nouvelle donne, non, mais... Euh, ah, et monsieur qui, qui... Monsieur, alors il y a euh, Katia et, euh, et Morgan qui sont là avec des micros, qui vont vous apporter euh, de quoi vous entendre. Alors, il y a pas mal de questions aussi sur YouTube, puisque euh, comme on vous le disait en préambule, euh, la Merci conférence est retransmise sur YouTube. On vous écoute. Moi je me posais la question, comment la lave se transforme en terre fertile Quel est le phénomène géologique qui transforme... Euh, le magma solidifié, et puis qui le transforme. Euh, comment la transformation en terre fertile se fait-elle, quoi Alors en fait, un grand phénomène qui est un phénomène que vous connaissez tous, qui s'appelle l'érosion. Alors en fait, c'est un processus qui est un processus qui dépend du climat. Si vous allez dans une, dans un environnement, par exemple, vous allez sur l'île de la Réunion, là où il fait chaud, humide, et euh, eh bien vous allez avoir cette lave qui a été mise. Il y a une éruption il y a il y a très peu de temps là. Cette lave, elle va commencer à être, à être érodée par, par les écoulements d'eau. Il y a des poussières qui vont arriver, il y a les premiers éléments biologiques qui vont arriver dessus, en général des lichens. Et, et puis ensuite, ça va accumuler des poussières, il va y avoir les mousses qui vont se développer. Et puis ensuite, d'autres plantes. C'est la colonisation d'une coulée de lave. Et en fonction du climat, ça va mettre entre quelques dizaines d'années et quelques siècles voir ça ne va pas être colonisé du tout. Par exemple dans mon pays d'adoption qui est l'Islande euh, il y a des coulées de lave qui ont plusieurs siècles où il y a juste des mousses et des lichens parce que le climat est trop contraignant pour euh, euh, suffisamment altérer la, la roche. Après il peut y avoir d'autres phénomènes d'altération qui sont des phénomènes d'altération que vous avez vu dans les, euh, dans les zones qui sont des zones actives c'est tous les gaz volcaniques qui vont pouvoir manger la roche et là qui vont donner des acides euh, c est, c est, pardon des argiles et là, ça va donner des, des milieux qui sont des milieux tout à fait particuliers, mais là, qui ne sont pas très fertiles. Mais euh, ce qui donne la fertilité, c'est essentiellement les projections volcaniques, en particulier les cendres. Vous avez vu au bromo euh, ces cendres qui tombent, euh, qui sont pleines d'éléments euh, minéraux. C'est toujours une question d'équilibre. S'il y a trop de cendres, eh bien, ça va étouffer la végétation. S'il y a suffisamment de cendres, ça va, donner, euh, ça va donner une fertilité qui est une fertilité importante. Et par exemple, Monsieur Shimabara qu'on voyait... Pour euh, les, les radis, euh, il était très inquiet là parce que le Sakurajima donnait, donnait trop de cendres mmh. au moment où on avait le bouquet de feuilles qui était en train de sortir. Et pour lui, c'était une véritable inquiétude parce que il faut qu'il y ait suffisamment de photosynthèse pour que ces radis grossissent. Donc, il est toujours en équilibre avec avec euh, le volcan. Et lui, il en parle vraiment d'une manière euh, d'une manière phénoménale, c'est-à-dire que il a cette relation qui est cette relation de respect et cette relation de communication directe avec le volcan. Pour lui, le volcan lui parle à travers l'hôtel qu'il a dans le fond de son jardin, mais qui est simplement le fait qu'ils vivent là depuis des générations et des générations et qu'ils ont appris à accommoder cette vie. C'est vraiment un des endroits les plus actifs de la planète et ils ont, ils ont développé ce, ce respect mutuel. Bon, il faut dire que chez les Japonais, ils ont ce, ce vieux fond. Euh, Culturelle qui fait qu'on a une relation à la nature qui est le shintoïsme, fait que la philosophie est une relation qui est une relation de, de respect vis-à-vis -vis de la nature, euh, et donc on fait avec, on fait jamais contre, euh, et donc euh, ben on courbe les Chines. Et Dieu sait que les Japonais courbent les Chines quand on habite dans un archipel où la nature vous met tellement euh, vraiment enfin euh, euh, vous met euh, euh, à sa merci, ou, ou en tout cas merci, vous êtes dépendant ou cas, hum? Oui, vous êtes vraiment dépendant des, des sous telluriques et surtout des, des sous volcaniques. Alors, peut-être une, une, autre, une autre question Oui, monsieur. Alors, euh, je ne sais pas qui est le plus près Morgane. Euh, ouais, me... C'est juste par rapport aux cendres qui étaient récoltées. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'ils les mettent à la mer si c'est euh, en fait, si très fertile Ils pourraient juste le vendre Oui, alors en fait, ils pourraient il le vendre. Mais euh, si, si vous regardez là, dans, la, dans la région du, du Sakurajima, là, en fait, des volcans actifs, vous en avez euh, tous les 30 km. Et en fait, tout le monde prend des cendres et la grosse problématique, c'est d'en avoir trop. Euh, donc là, ils nettoient les rues, euh, ils nettoient les toits des maisons. et euh, C'est obligatoire, c'est inscrit dans la loi. Localement, on doit nettoyer le toit de sa maison. Euh, et, et ces cendres, le seul moyen de les mettre quelque part, c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes par an, hein. eh ben, c'est de les mettre à la mer. Euh, c'est la seule solution qu'ils ont, qu ont trouvée. Euh, tout simplement parce que si on en met trop, euh, après, c'est exactement ce que je disais avant, euh, c'est plus du tout fertile, ça va poser des problèmes pour, le, pour les sols. Donc c'est toujours un équilibre. Sur le bromo, par exemple, Atsoko, le paysan, là, il me montrait. Euh, en fait, il faut juste une petite pellicule de cendre, et puis en fait, quand on rentre la main en dessous, il faut que cette cendre elle soit suffisamment décomposée et qu'elle soit mélangée avec des éléments organiques pour que ça puisse bien garder l'eau. Alors, à dans d'autres endroits, ça va être les scories, parce que là, on est sur du volcanisme explosif qui va donner des cendres, mais si on est sur du volcanisme effusif, des volcans avec des coulées de lave, ça va donner des scories. Et là, par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure du, du Cap-Vert où j'étais la semaine dernière. Là. Euh, eh bien, en fait, on va garder euh, ces, ces scories euh, et on va les chercher. On va, les, on va enfoncer les plantes à l'intérieur pour pouvoir aller chercher l'eau parce que les scories sont une espèce de mousse. C'est un peu comme une, un pop-corn volcanique. Donc, il y a une surface d'échange qui est très importante et l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur. Ça va faire une véritable éponge et on va les garder cette éponge. Va garder l'eau pendant très longtemps. Donc, les plantes peuvent, vont pouvoir venir se nourrir là-dedans mais c'est toujours une question d'équilibre il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que ça, autrement ça devient trop drainant et l'eau va partir et on était la semaine d'avant au Canary et sur un autre volcan qui s'appelle El Hierro euh, ils ont un énorme problème c'est un environnement il pleut quasiment jamais sauf que les alizés apportent énormément d'humidité les arbres vont arrêter l'humidité ça va faire ce qu'ils appellent les arbres fontaines c'est à dire que l'eau va descendre, dans le, dans le vol, enfin, descendre le long de l'arbre traditionnellement les gens construisez ce qu'on appelle un impluvium au pied pour récupérer l'eau. Mais si on ne fait pas ça, autrement, ça rentre dans, le, dans la matière volcanique, dans le sol volcanique, et ça va descendre directement. C'est très drainant. Les volcans sont des châteaux d'eau. Ce que je vous disais pour l'Etna. Et, et alors à eliro ce qu'ils ont fait, c'est qu'en bas, à la limite où on a l'eau salée et l'eau douce, ils ont creusé des tunnels, quasiment un kilomètre de profondeur, pour aller chercher l'eau. Tout simplement parce que si vous faites ça, si vous versez de l'eau sur des éléments volcaniques, ça va tout de suite descendre dans le, dans le sol. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Mais euh, si vous buvez de l'eau de Volvique, c'est exactement ce qui se passe. L'eau de Volvique, il y a un énorme impluvium. L'eau va traverser les formations volcaniques jusqu'à rencontrer le granit qui est juste en dessous, qui est imperméable. Cette eau, elle va descendre dans la vallée. Et traditionnellement, les sources sont dans la vallée. Le bord, au bord de la faille de la Limagne et on va récupérer cette eau que vous pouvez boire quand vous buvez de l'eau de Volvic par exemple mais c'est le cas pour plein d'eau minérale à travers euh... donc les, les formations volcaniques sont des formations qui sont des formations qui sont des formations extrêmement drainantes alors, on va rester, euh, on va rester tiens, dans le domaine de l'eau. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle hein une que... ben, voilà. Tout le, le, temps, le temps pour peut-être Alicia de monter le micro. On va prendre une question rapidement pour, euh, euh, qui nous vient sur euh, YouTube. Y a-t-il vraiment des bienfaits aux sources d'eau volcanique pour la consommation Vous venez un peu d'y répondre. Ou d'eau chaude volcanique pour la peau Oui. Oui, c'est une question euh, d'Antoine hein, sur euh, sur YouTube. Alors pour répondre à Antoine, euh, les eaux volcaniques chaudes, soufrées, ouais. sont très bonnes pour tous les allergies, toutes les allergies de peau et en particulier le psoriasis. Euh, donc euh, souvent dans les eaux chaudes volcaniques. Le mais... ce genre de choses. Ouais. Mais... Euh, ouais. euh, vous avez des gens qui rentrent dans l'eau euh, ou dans la boue volcanique. Je me rappelle à Vulcano là. Euh, bon quand vous les voyez rentrer, vous dites euh, je vais peut-être pas aller me baigner dans la même eau. Euh, et en fait c'est extrêmement bon pour ça. C'est utilisé dans plein d'eau thermale thermales. Euh, des stations de et des choses comme ça. Exactement. Mm. Euh, après, ce que, ce que l'on fait traditionnellement, par exemple, c'est aussi l'eau chaude volcanique est un lien social. Si vous allez en Islande ou au Japon, mm. euh, si on, vous étiez Islandais, là, à la sortie de cette conférence, eh ben, si vous étiez avec des amis, vous iriez à la piscine profiter de l'eau chaude pour être ensemble. Si vous étiez japonais, ben, euh, le fait, euh, dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle des onsen. Euh, où on va se baigner, on va profiter de l'eau chaude euh, dans ces bains qui sont des bains. C'est vraiment un élément qui un élément culturel. Nous, on a le café du commerce, le café à la française. Ben, au Japon, on a le onsen. C'est vraiment le lien qu'on a lien avec l'eau euh, le chaude. Mmh. Et ça, euh, partout, euh, il faut pas oublier, c'est que par exemple, l'Islande, la capitale s'appelle Reykjavik. Euh, Reykjavik en islandais, ça veut dire les, les fumées d'origine volcanique, et Vik la baie, la baie des fumées. Les, gens sont les premiers Scandinaves à être arrivés en Islande euh, se sont implantés dans cet endroit qui est un endroit volcanique parce que derrière aussi on peut se servir de cette eau volcanique. Les Japonais cuisent dans les sources. Mmh. On était au pied du mont Hunzen où Maurice et Katia Kraft sont morts. De l'autre côté, il y a une petite ville qui s'appelle Obama, comme le président américain. Euh, et bien à Obama, vous avez des cuisines publiques. Mmh. Sur le bord de la plage, où vous pouvez aller faire cuire vos aliments, et les gens arrivent avec leurs paniers, vont faire cuire leurs aliments directement dans. C'est le cas ces... aussi en Nouvelle-Zélande, les photos que vous avez montrées. Ouais, c'est le cas en Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, on le fait avec ce qu'on appelle le tra... plat traditionnel qui s'appelle le hangi ouais. euh, On va cuire les aliments dans la terre. Alors, ça donne un goût qui a un goût particulier, assez salé, mais c'est aussi une... ça a une valeur symbolique parce qu'on va cuire les aliments dans la terre qui donne ces aliments. Hum. encore une fois c'est un, un lien à la nature qui est, qui est, qui est complètement différent on s'aperçoit que ces gens qui vivent sur les volcans ils sont totalement connectés ils ne font pas de l'environnement, ils ne sont pas écolos ils, ils vivent simplement avec les contraintes de l'environnement et plus on a de contraintes plus on a de créativité c'est à dire que on, on, on crée des usages qui sont des usages qui sont complètement aberrants aller se mettre dans du sable à 80 degrés on peut se dire que c'est un truc de, de frappe à dingue mais en fait l'expérience est extrêmement agréable euh, et ça fait partie de ces, ces environnements locaux j'ai pas eu le temps de vous présenter l'équateur où on fait euh, euh, ce qu'on appelle le témascal c'est à dire qu'on va faire rentrer des, des pierres volcaniques qu'on a chauffées dans, des, dans un feu sous, sous une grande tente euh, et on va mettre de l'eau dessus avec des plantes à l'intérieur pour vous faire revivre votre naissance, votre vie et votre mort dans une cérémonie avec un chaman euh, en utilisant des substances locales euh, <laughs> voilà, ouais. ça fait partie. Et, et les pierres, pour les chamans, les pierres sont les porteuses de la mémoire de la terre. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire de la terre en faisant rentrer ces pierres et on les appelle une par une et on va raconter cette histoire. Donc en fait, on a un lien qui est un lien qui est assez proche de l'histoire du lien qu'on a nous scientifiques avec la planète où on essaie par d'autres moyens de décrypter. Euh, des éléments qui vont nous permettre de pouvoir constituer oui. une histoire qui est une histoire qui euh, nous rassure parce que euh, face à notre planète, on a plein de questions qui naissent. Et quand vous êtes sur le bord du cratère, là, vous n'avez que des questions. Je vous rappellerai juste que sur l'Etna, dans l'Antiquité, il y avait un philosophe qui s'appelait Empédocle, dont on n'a retrouvé qu'une sandale. On ne sait pas s'il s'est jeté dans le cratère ou s'il était pris dans une éruption, mais il allait simplement réfléchir sur le bord du cratère de l'Etna à l'origine du monde. Voilà, ça résume bien la situation. Alors, on va prendre une, euh, une dernière question pour euh, refermer cette, euh, cette soirée. Je crois que vous avez le micro, mademoiselle. Coucou, voilà. Vous voyez la demoiselle. Avait... Euh, bonsoir. bonsoir. Alors, du coup, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé également par euh, les nouveaux volcans, dont par exemple le point chaud près de l'île Mayotte, ou est-ce que seulement par les volcans, enfin, les grands volcans déjà euh, créés euh, qui sont importants alors, il euh, y, a, y a une crise sismique en ce moment autour de Mayotte, c'est ce que vous évoquez. Euh, c'est la vie d'un volcan sous-marin. Euh, donc, pour l'instant, pour le travail qu'on fait sur les volcans et les hommes, euh, ça, ça pose un problème parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'hommes qui, qui vivent sur ce volcan puisqu'il est à quelques centaines de mètres ou quelques milliers de mètres de profondeur. Je crois que c'est 1200 mètres de profondeur, si ma mémoire est bonne. Euh, mais ça veut dire qu'un jour, il va naître une île. Ce volcan est déjà d'une taille extrêmement importante. Donc c'est le, le futur des volcans de la planète. Et ça montre une chose qui est une chose extrêmement importante, ce que vous dites, c'est que 75% de l'activité volcanique, elle est sous la mer. Et on ne s'en aperçoit pas. Pourtant, on s'en aperçoit. Si vous allez en Islande, vous allez vous en apercevoir, puisque en Islande, ça s'écarte de 2 à 3 cm par an en moyenne. La vitesse d'écartement, c'est la vitesse de pouce de, votre on, de vos ongles. C'est simplement que l'océan Atlantique est en train de s'ouvrir et que ça ça correspond à un phénomène qui a commencé il y a plus de 150 millions d'années, qui est l'ouverture de cet océan Atlantique. Euh, et juste à côté, vous avez la géologie. Là, vous êtes à la frontière entre le massif armoricain et le bassin parisien. Et le bassin parisien, les roches du bassin parisien sont formées dans un océan qui est aujourd'hui disparu, qui s'appelle la Tétis dont il reste juste un petit morceau qui s'appelle la Méditerranée et qui était l'océan qui existait avant l'ouverture de l'Atlantique. Donc, si vous étiez venu sur Terre il y a plus de 150 millions d'années, l'océan n'était pas à l'ouest comme il est aujourd'hui. L'océan il était à l'est. Ça veut juste dire qu'on habite sur une planète qui est totalement vivante. Il y a plein plein de pans à découvrir avec plein de nouveaux volcans à découvrir partout et en particulier tout ce qui n'est pas accessible ou de manière très épisodique par les gens extraordinaires de l'Ifremer qui vont descendre avec leurs moyens sous-marins. Mais en tout cas, oui, oui. Moi, tous les matins, j'ai sur mon bureau les nouvelles du monde entier avec 3, 4, 5 volcans qui rentrent en éruption. Ce matin, voilà, il y avait les... Il y, y a une question à cet égard d'ailleurs de Ludovic Thierry sur YouTube, juste pour rebondir. Tous les volcans sont entrés en éruption en ce moment. Ils se demandent pourquoi. Euh, parce qu'on a des réseaux sociaux qui nous donnent les nouvelles. L'information, le monde en dans temps le monde. réel. <laughs> Et que, franchement, on n'en a pas besoin. Hum. Euh, non, mais je, je, c'est cas... mon côté géologique. Mais ju, juste, c'est que simplement, on a l'impression et on n'arrête pas de faire peur aux gens avec la nature. Les volcans, euh, depuis, mi, depuis 4 milliards 600 millions d'années, la, la vie de la planète se fait par ces activités, cette activité volcanique à l'origine de tout des gazages qui ont créé l'atmosphère. S'il y a de la vie sur Terre, s'il y a de l'eau sur Terre, c'est à cause de cette activité volcanique, c'est cette activité globale de cette planète qui est absolument extraordinaire. Si on est là, c'est à cause des volcans. On n'a pas parlé des origines de la vie avec les extrémophiles. C'est vraiment les premiers balbutiements de la planète dont on a des reliques qui existent dans ces sources chaudes. Et aujourd'hui, on a l'impression que. En tout cas, il y a plein de gens qui veulent vous faire peur avec cette nature. En fait, il y a autant de volcans en activité qu'il y en avait avant. C'est sûr que si on regarde avec un pas de temps plus grand, la Terre elle se refroidit, donc il y a un peu moins d'activité volcanique qu'il y a 2,5 milliards d'années. Ça, c'est certainement vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est au courant du moindre, de la moindre explosion quelque part. Et on est au courant par des phénomènes qui sont des phénomènes ou par des moyens détournés, par exemple. Les pilotes d'avion, ils sont bien plus au courant que vous des, des éruptions volcaniques, puisque tous les jours, quand ils prennent leur avion pour faire un vol, ils ont un rapport du Volcanic Advisory Center, euh, qui est le, le centre de surveillance des centres volcaniques dans le monde, euh, qui leur permet de savoir s'ils ont des cendres volcaniques dans le, sur le vol qu'ils vont faire. Donc le, sur, le centre pour ici, il est situé à Toulouse, le centre pour l'Islande, il est situé en, à Londres. Il y en a d'autres à l'échelle, il y en a huit à l'échelle du monde entier, ce qui, ce qui permet de bien gérer une crise comme la crise de la layocut Et cette crise, elle ne met que le doigt sur un truc, qui est un truc vraiment fondamental de nos sociétés, c'est que nos sociétés sont de plus en plus vulnérables vis-à-vis -vis des aléas naturels. Et le risque, c'est l'aléa fois la vulnérabilité. Plus on est vulnérable, l'aléa, il reste globalement le même. On sait qu'il y a des éruptions qui ont lieu tous les jours. 3-4 tous les jours, là, en, en, en moyenne. Il y a 1511 volcans actifs sur la planète euh, au dernier recensement. Euh, donc il y a du potentiel. Hein. Euh, et puis il y a des grosses éruptions de temps en temps. Euh, 18e siècle, l'éruption du Laki, euh, l'éruption de la, la, la Révolution française. Euh, plein, plein de choses qui peuvent remettre en, en, en cause, euh, y compris la vie euh, très loin de, des volcans. Et, et tout ça, euh, aujourd'hui, on le sait, on est, on est en direct partout dans le monde alors ça a des bons côtés après ça a des mauvais côtés quand il euh, n'y a pas de centre de science comme ici où on vient euh, vous donner des informations factuelles pour que vous puissiez vous faire votre avis mais euh, il ne faut vraiment pas avoir peur avec les volcans, c'est quelque chose qui donne la vie euh, c'est un spectacle vous êtes comme les islandais, dès qu'il y a une éruption volcanique qu'est-ce qu'ils prennent Leur voiture ou leurs chevaux et ils partent directement voir l'activité parce que c'est un truc qui est un truc de malade quoi, les éruptions volcaniques il faut aller voir ça On aura compris que vous êtes un homme passionné Arnaud Guérin oui, un petit, peu, ouais. un petit peu. Merci infiniment ben, merci pour à vous. Euh, cette soirée et cette conférence. Merci beaucoup. Mais, un, juste pour vous Je... dire un grand merci à l'espace des sciences et tout le travail qui est fait ici parce que c'est remarquable. Voilà, Michel Cabaret qui a nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Rendez-vous juste au-dessus pour une petite séance de dédicace avec Arnaud Guérin sur ce dernier ouvrage qui vient de paraître. Je vous en rappelle le titre Les volcans et les hommes, paru chez Glénat et Arte Édition. L'espace des sciences, en tout cas le mardi de l'espace des sciences, comme vous le disiez, Michel Cabaret en préambule prend un peu de vacances. Passez un très bel été et rendez-vous le 17 septembre. Et à tout de suite avec Arnaud. Bonne soirée, merci à vous. Merci.